Dans le Genèse, il dit, quand il a créé l'homme, il a dit,
va vous remplir, n'est-ce pas, multiplier. The sister said, because he said, it was shocked when I explained this to her, that God did not create us into this world to come and do our own choice. Dieu ne nous a pas amené dans le monde là pour venir faire notre choix. C'est la choix de papa. C'est pas que Jésus se dit, il dit, je dois faire la choix, le choix de mon papa avant que la nuit il vienne tombe. La nuit, c'est signifie le temps de fatigue, le temps de vieillesse, le temps de la mort. Parce que quand quelqu'un est mort, c'est fini pour la personne. C'est fini à aimer. Donc, le temps que tu es encore jeune, tu es encore ok. Fais l'offre de Dieu. Fais ça que Dieu, tu es venu faire quoi dans le monde là, tout envoyé. C'est pas pour venir faire sexe. C'est pas pour sexe. C'est pas pour porter les choses pour séduire les hommes battus. Tu es battu à dire tout ce qui vient de sortir, c'est ça que tu vas aller acheter pour tromper les hommes. Aïe. C'est pour venir chercher Jésus-Christ dans l'esprit, dans la vérité. Et pour prépare où que tu vas aller, parce qu'il y a des chemins qui sont devant toi. Il y a la mort, il y a la vie. Donc, il t'a envoyé là pour venir chercher ce chemin que tu veux partir. C'est toi qui vas faire ta choix. Aïe. Donc, il a dit, regarde ma sœur. Ma sœur, tu as dit, il a envoyé pour venir dire, mariez-vous, multipliez. Ok, merci. Merci pour ça que tu as dit là. Ok. Dieu, il a dit, va vous multiplier. Il dit, c'est ça qui met les gens dans la confusion. La parole de Dieu, là, il est dans la confusion pour les gens. Dieu, il dit quelque chose, mais il y a un secret dans sa parole. Il y a un secret dans sa parole. Et tu ne peux pas comprendre ça. C'est avec son esprit sur le monde que tu vas comprendre ça. Il dit, va vous multiplier. Ok. Les gens, ils pensent que c'est pour aller coucher, faire les enfants, coucher, faire les enfants, coucher, faire les enfants, coucher, coucher. Ça que tu trouves aujourd'hui. Je lui dis, regarde aujourd'hui d'abord. Il y a plein de enfants sans le parent. Il y a plein d'enfants vagabonds. Il y a plein d'enfants divorcés. Il y a la famille que tu rentres dedans, il n'y a pas le vrai mariage. Le Seigneur dit même, il peut signer sous que ça là c'est correct. Aïe. Je lui dis, tout cela, vous qui sont dans le monde, appelez ça quoi? Multiplication. C'est pas ça? Il dit oui, ok. Mais pour nous qui connaissons maintenant la vérité, qui connaissons ça que Dieu il dit, va vous multiplier, signifier. Je dis, quand je suis là, venu dans le Matthieu 28 et Marc 16 aussi, il a dit, tous qui croient, il dit, va vous évangéliser. La vérité que vous avez déjà reçue de moi là, va vous évangéliser partout de monde. Tout ce qui est quoi, il faut les baptiser, qu'ils reviennent, mais disciples. Aïe, il a demandé qu'est-ce que ça signifie. C'est pas l'amour. C'est pas multiplication. Multiplication spirituelle. Quand tu as dit de faire ça, tu as dit de multiplier le royaume de Dieu. Mais quand tu as dit de coucher, faire les bébés partout, tu as dit de multiplier le monde. Et le monde, il va faire quoi? Des pierres, chapitre 3, à partir de verset. Il dit quoi? Pourquoi vous enquêtez? Pourquoi vous êtes très, vous allez accumuler, construire les choses du monde, alors que vous savez que toutes les choses du monde, là, il y a préparé un jour pour brûler. Donc, tous les enfants que tu as dit de faire qui ne connaissent pas Dieu sera brûlé. Donc, est-ce que ça c'est la multiplication que Dieu nous a envoyé par les lèvres? Hein? Donc, quelle multiplication que tu as? À la fin, tout ça que tu as toute ta richesse, tout ton argent, tout que tu as accumulé, le plus riche du monde, tout que tu as gagné, tout, il y a les gens que quand vous rentrez dans sa famille,
Et j'ai vu chez moi un monsieur qui a quelqu'un qui beaucoup milliardaire avec 60 femmes. Les enfants, c'est 150. C'est pas mon pays d'argent. Mais si il est, tout le monde n'est pas, s'il y a quelqu'un qui n'est pas demandé parmi lui, il sera rassemblé comme des pierres. Il a dit, toi, il va le faire quoi? Il va le tous brûler. Donc ça c'est pas une multiplication. Ça c'est une multiplication satanique. C'est une multiplication satanique. Tu as couché, tu as sorti avec tous les hommes, tu as dû faire les enfants partout. À l'enfer, il n'y a rien, même toi-même, même les enfants là, il n'y a pas celui qui a terminé avec tes supplices. C'est toute ta multiplication, tu vas regretter même. Il va te juger avec ça. Aïe. That's the message. You went to multiply, having children everywhere. At the end of it, none of those children, all your riches, all your wealth, everything that you gather all over the world, at the end of it, no one of them have Christ. It's wasted. That is not multiplication. That's what God means there. Aïe. The meaning of that multiplication is what Jesus Christ came in Matthew 8 and in Mark 16, that go into the world, preach the gospel. As many that accept this gospel truth, but they say, make them disciples. That is the multiplication he's talking here. Spiritual multiplication that multiplies the kingdom of God. But the physical multiplication multiplies the kingdom of devil. La multiplication spirituelle dans le Seigneur est multipliée le royaume de Dieu. Alors que la multiplication que le monde physique, que le monde a déçu, c'est la multiplication qui a été élargie et multipliée la fête du royaume de Dieu. Et c'est ça que les gens ont des poches. Ils ont fait avec toutes les monsieur, tu dois aller marier, tu dois aller faire des enfants, et tu ne mets même pas, il est divorce, tu prends un autre, tu couches, et fais ça, tu fais ça. Si tous les gens n'ont pas demandé, il faut tout souvent aller à l'enfer. C'est pas l'amour, c'est pas ça que Dieu est pas. C'est pour ça que les gens ont mal placé la parole de Dieu. Alléluia. On a bien raison beaucoup de choses aussi. C'est pour ça qu'il a dit. Il a dit, mes enfants doivent être sages. Tous les enfants de Dieu sont sages. Quand Dieu y parle, la Bible, c'est pour ça que la Bible là, c'est un parabole. C'est pour ça que n'importe qui ne veut pas comprendre la Bible là. Tu vas lire seulement si l'esprit de papa il rentre en toi, il va commencer à t'expliquer ce qu'il dit. C'est pour cela que dans le Matthieu 13, le disciple de Jésus se sont venus demander l'esprit. Pourquoi? Tu les parles en parabole. La Bible dit, le Fils il va voir plusieurs personnes. Ah, l'église est grande, il va aujourd'hui. Déjà, la Bible est allée, multitude. Oh, notre église est grande. Oh, quel nom de Dieu avec un milliard de gens. Oh. Alors, tu te demandes d'aller à l'enfer. Non, de Dieu qui ne connaît pas la Bible. Déjà, viens vers l'esprit, l'esprit va le mettre en confusion. Mais il va revenir à un petit nombre là-bas. Il va les expliquer tout ça qu'il a été parlé. Et les gens là-bas, ils vont dire, pourquoi tu as fait ça? Quand les gens là, ils disent, laisse, vous, mon royaume vous appartient. Mais pour lui, non. Ah, ils sont aussi chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont secrétaires, ils sont bishops, ils sont papes, ils sont prêtres, ils sont sous-délégués généraux. Pourquoi tu les mets en confusion? Il dit, mon royaume, il ne m'appartient pas. Mais pour vous, glorifiez Dieu, parce que c'est à cause de vous que je suis venu. La Bible dit, rappelle, qui dit, je suis venu à cause de tous qui ont perdu dans la maison de mon père. C'est pas tous les mois. Et la parole que je parle là, c'est l'esprit et c'est la vie. Et c'est tous ceux qui sont dans l'esprit qui va comprendre tout ça que j'ai dit.
Mais toi, quand tu poursuis le monde, tu voulais faire des choses avec le monde, tu voulais garder tout. Ta main, c'est comme ça, ton pied, c'est comme ça. Ici, tout ce de l'amour. La grâce nous couvre. Et tu dis, mon royaume ne te maintient pas. Alléluia. Ne te maintient pas. Parce qu'il dit, tu ne peux pas ça de mettre. Tu ne peux pas ça, maman et Dieu. Dans ce qui appartient maman à maman, dans ce qui appartient Dieu à Dieu, tu ne peux pas mélanger les deux ensemble. Alléluia. Et nous avons envoyé dans le monde là, c'est pour quelque chose. La fête du monde est de faire vos attentions. Vous êtes dans le monde, mais vous ne sortez pas du monde. Ne mets pas ta tête. Ne mets pas ton. Ne mets pas que des choses du monde là, prends ta tête. Parce que bientôt, du tout est déjà préparé pour les filles, le fait, pour les conjoints. Alléluia. Donc, ça qui dit partir, ça qui lui-même, il veut, il va nous donner. Mais ça qui va que, non, mon fils, c'est tout ça que va faire de mon royaume. Donc, à cause de ça, la prière que tu as fait sur les choses-là, il ne peut pas me passer la prière. Il ne peut pas te donner. Il peut te donner autre chose. C'est pour ça que des fois, on prie, il ne répond pas. Ce n'est pas parce qu'il ne répond pas. Peut-être qu'il a regardé dans son plan et qu'il a dit, ça là, ça va te faire des peines de mon royaume. Lazare, c'est pas que Lazare n'aime pas prier, qu'il dit, bénis-moi. Non, Michel, il a dit de m'embêter tout le temps. Non, Michel, il m'embête avec l'argent, il m'embête. Mais Dieu dit, Lazare, ne connais mon projet et mon plan sur ta vie. Si je te fais revenir ici comme cet homme, Lazare, tu vas perdre mon royaume. Donc, Lazare, continue de supporter ta vie jusqu'à le temps que tu vas te faire quitter dans le monde. Et quand il a fait ça, quand Lazare est rentré dans la paix, dans le repos, Lazare a compris que. Donc, c'est pour cela que. Papa, tu es grand. Mais c'est que tu n'as pas à répondre à cette prière, il y a des prières et jeûner, prières et faire la délivrance. Alléluia. Il a compris. C'est pour ça que la Bible dit, il dit, les oreilles n'est pas attendu, les yeux n'est pas vu. Personne n'est jamais vu et connaît ce que Dieu a préparé pour tous mes enfants. C'est pour ça que la Bible dit, calmez-vous. Après tout, il a dit, il y a un homme de Dieu avec tout ensemble, tout. Mais il y a quelque chose qui lui est toujours embêté. Il soutient et tout. Tout le monde voit ça. Ah, apôtre Paul, tout ton ascension là, tout ça que tu fais là, pourquoi tu ne veux pas prier que cette situation là aussi réglée? Apôtre Paul, il a raté dans la prière. Je priais. La réponse est la raison. Apôtre Paul, va continuer, mon Dieu, mon frère, mon Dieu. Ma grâce, ça se trouve pour toi. Qu'est-ce que tu cherches encore à votre bord? C'est ça qui dit que toi, un enfant de Dieu, c'est pas tout ce que tu demandes au Seigneur que Dieu va te donner. Parce que ça qu'il a déjà caché pour toi, son royaume, tant que tu vas arriver là-bas, tu vas savoir que. Seigneur, tu es comme ça, je te glorifie. Merci que tu ne peux pas répondre à cette point de prière. Il y a beaucoup de points de prière quand on va arriver là-bas, quand on va demander aux enfants, merci que tu ne peux pas répondre à cette point de prière. Que Dieu l'aide dans l'esprit. Pour comprendre ce que Dieu l'a aidé, il est Dieu mystérieux. Quand on va arriver là-bas, il y a beaucoup de points de prière qu'on a fait, et quand on va arriver là-bas, on va faire Dieu, merci. Que ton nom soit glorifié. On va commencer à lui glorifier encore, louer encore. Parce que, en fait, que si. Mais c'est parce que c'est le temps-là que nous sommes là. C'est le vrai. Là, on va arriver là-bas. Et notre Dieu, on va bien comprendre. Tout. Celui qui est à la fin aussi, il va aussi comprendre tout. Celui qui est au vrai, il aussi va comprendre tout. Merci Seigneur que tu n'as pas répondu à cette prière. Alléluia. Que Dieu t'aide dans Jésus Christ. C'est pour cela que sous Dieu, par sa parole,
On va voir les choses dans la Bible. C'est le jour de nous, c'est la prière. Mais il y a plein de choses que Dieu m'a dit de parler. Et on doit comprendre ailleurs. C'est pour ça que n'importe qui ne parle de sa foi. Non. Parce que des fois, là, il dit, l'esprit de ce, c'est pas tout ce qui appelle son nom, qui lui appartient. Il connaît tout ça qui lui appartient. That's why it's not everybody that calls his name Jesus, Jesus, that belongs to Jesus. Alléluia. Il y a un seul qui réclame qu'il est prophétesse. Il a dit, il m'a envoyé le message. Il a même appelé, il n'a pas appelé, il m'a envoyé le message. Il dit, pourquoi tu ne réponds pas? Tu ne prends pas mon téléphone et tu ne réponds pas. Je lui ai envoyé le message, je lui ai dit, oui, je ne réponds pas, je ne prends pas ton téléphone, je ne prends pas parce que tu ne veux pas la vérité. Donc, je ne peux pas continuer à perdre mon temps. Tu ne veux pas la vérité, tu as été déçu de mensonge. Pasteur mensonge, prophète mensonge, tu réclames que tu es prophétesse et tu ne veux pas écouter la vérité, tu ne veux pas sous la vérité et tu te cherches le mari. Et il te dit la vérité, tu ne veux pas. Donc, ce n'est pas la peine, tu ne veux pas ton téléphone pour faire quoi? Alléluia. La Bible dit, si tu dis que quelqu'un la vérité, il ne veut pas, laisse-le. Fais attention que la personne même ne veut pas t'amener dans son bêtise. Laisse-le. Alléluia. Un bon jour viendra. Si la personne n'est pas répandue avant qu'elle est mort, il va savoir que s'il savait, que c'est déjà passé. Alléluia. C'est pour cela qu'on vient. Viens écouter la vérité. Allez, tout ce qui vient ici, il ne vient pas passer quoi? Parce que c'est la vérité. Tu sais, l'église de bêtises. Si tu as fait de faire n'importe quoi ici, ici là, Fabien rapide jusqu'à. On va déjà même demander une grande place. Mais parce que c'est la vérité. Il y a que les vrais enfants de Dieu qui sont prêts, qui connaissent mon public, et mon public me connaît. Ma voix sur moi, c'est ça. La voix de Dieu, la voix de l'esprit, c'est ça que le public de l'esprit se va entendre. Et quand ça vient, il va se voir que ça, c'est l'esprit qui va, c'est notre papa. L'esprit se va venir là pour venir s'amuser. Je vous dis toujours, il n'est pas venu dans le monde là pour venir s'amuser avec son royaume. N'importe qui ne rentre pas là. Jesus is not come to this world to come and play with his kingdom. Nobody, anyhow person cannot go there. It's not for anyhow person. Alléluia. Dans notre message à Paris, il y a des choses. Si quelqu'un vous a invité dans le mariage, un mariage, un cérémonie, un mariage, comment on va là-bas? On prépare, non? On prépare. Parce que quoi? C'est un endroit bien préparé. C'est pas ça. Jésus-Christ, il a venu et lui, il a dit, je vais aller préparer un endroit pour vous. Après, je vais venir vous chercher. C'est une grande invitation. Cette invitation, c'est préparé. Et tu voulais aller là-bas. Et avant que quand il a dit ça, il a laissé sa parole, il a nous a donné le mot, la modèle, c'est ça, non? Comment on doit arranger? Parce qu'il y a le mariage. Quand on te invite, on va te dire, s'il vous plaît, essayez de mettre blanc, blanc. Et je veux que vous mettez en blanc, tout le monde met en blanc. Donc, il sait pourquoi il dit blanc. Si tu viens à l'autre bloc, si vous voulez te mettre la gloire que tous les gens qui sont blancs, il va te dire non, tu ne vas pas aller parce que je t'avais dit ça, donc c'est blanc. Parce que il y a ça qui devait que vous faites, tous les gens qui sont blancs. Mais maintenant, quand tu n'es pas en blanc, tu vas aller tâcher. Donc tu vas pas couper. Alléluia. C'est ça, c'est comme ça le moyen de Dieu. C'est un endroit préparé. Tu dois préparer. Il y a la préparation et le modèle pour faire cette préparation, c'est dans la Bible. Il nous a donné tout. On doit se préparer. Et les gens ne veulent pas. Les gens, ils voulaient faire n'importe comment. Et dire, l'Esprit, c'est Dieu de l'amour. Dieu, c'est Dieu de l'amour. La grâce de couvre. Quelle grâce? Sa grâce. La paix. Il a dit son disciple dans le livre de Jean, il dit,
ma grâce, je vous laisse. Il t'a déjà laissé la grâce. La grâce, c'est quoi? Pour connaître toute la vérité, tout ça qu'il a dit. Il t'a déjà laissé ça. Tu sais, ça quoi, quelle grâce? Dans le livre de Jude, Jude dit, la grâce de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité et nous montrer la salut de Dieu. La grâce. C'est ça que la grâce que tu reçois, si la grâce ne peut pas te conduire pour connaître la vérité là, pour répandre ce seulement et faire pas ta vie maintenant sur son corps, son royaume, la personne vient échouer. Ça que les gens ne connaissent pas. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est pour te prendre dans la main comme ça. Il te montre où que tu vas trouver la vérité. Viens. Là-bas. Viens. Alléluia. C'est pas la grâce qui va te garder là où il y a le péché. Là où la vérité, jamais on ne parle pas la vérité. On te dit de la grâce. Et vous dites tous les gens qui répètent que la grâce est pour vous. C'est les gens qui vont avoir le péché. Qui était comme ça avant. Alléluia. Les gens qui disent que l'amour de Dieu nous couvre, c'est les gens qui vivent encore dans le péché. Alléluia. Mais quand tu rencontres le vrai Jésus-Christ, il va te prendre. Sa grâce va te montrer la vérité. Tu vas conduire au vrai. Tu vas commencer à dire. Ah! Toi-même, tu vas commencer à tester toi-même. Tu vas commencer à voir comment tu as fait l'espèce mal. Tu vas commencer à regretter ta vie. Tu vas commencer à regretter le jour que tu dis que tu es pasteur, tu montes sous l'autel alors que tu es dans le mensonge. Tu te trompes toi-même, tu penses que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est ça que la grâce fait. La grâce va te prendre, il va enlever les écailles dans ton ciel. Tu vas savoir que, oh, Seigneur, merci que tu n'es pas mort dans tout ce bêtise-là. Et donc, elle va te sauver ici. Donc, multiplier. La multiplication que tu as été faite, que tu ne suis pas de toi. Et tout le monde connaît que tu connais Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Le vrai multiplication, c'est pour multiplier aussi. Alléluia. Dit la celle-là, elle a choqué. Elle est vraiment de Dieu, Jésus, très. Quand tu m'as dit, quand je devais parler de Jésus, tu dois me confirmer dans les autres sujets que ça, c'est ma parole. Pas pour aller coucher. Ah, je vais marier. Est-ce que tu as déjà demandé, Jésus-Christ, si vraiment créé, est-ce que tu m'as créé pour le mariage? Matthieu 19, il y a des gens qui ont créé mal là-bas. Il y a parmi nous qui sont Enoch. Enoch. Par Dieu lui-même, et il y a les autres aussi. À cause de Dieu, il y a les autres aussi. À cause de son royaume, il va rester sans mari. Quand il a vu la femme, quoi, il a crié. Il y a beaucoup de mariages que nous sommes rentrés, que Dieu ne parle pas. Il nous a dit beaucoup qui sont en enfer à cause de faux mariages. Beaucoup même sont mariés le dimanche. C'est-à-dire que tu vives avec, qui ne veut pas que Dieu vienne chercher la vérité. Tu ne sais pas que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas te donner un mariage. Il y a les autres. Ils sont très chauds, le Seigneur. Net quand ils sont mariés. Le feu là disparaît. Ça, c'est un mariage. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose négatif. Alléluia. Tu veux aller dans l'église? Il ne veut pas aller parce que l'église là-bas, il dit on ne devrait pas porter le pantalon. Et mon mari, il aime que je porte le pantalon. C'est moi qui ai dit ça ou c'est la Bible qui dit ça? Et ton mari dit que tu portes le pantalon. Je veux voir. Si ton mari, le jour la même, quand tu vas te jeter à l'enfer, ton mari va aller là-bas et prendre quelque chose. Ah, mon mari dit, c'est ma femme. Fais-le sortir. On va voir cette issue. Alléluia. On va voir cette issue. Alléluia. Quand il te prend, jette là-bas, à cause de beaucoup de soleil, ton mari va dire, non, c'est mon chéri Coco. Comment est-ce qu'il va aller là-bas? C'est moi qui ai aimé le beaucoup de soleil. Tu ne vois pas beaucoup de soleil que Dieu a acheté le jour de notre mariage et notre anniversaire. Alléluia. Et donc, respecte la parole de Dieu plus que n'importe qui.
à toi, je respecte la parole de la Bible là plus que n'importe qui. Alléluia. Si on voulait prospérer, if you want to prosper, respect the word of God more than anybody. Nobody can save you from the hand of God except Him only. Your husband that you are respecting can never save you. Impossible. Nobody, anyone that leads you to hell can never save you. Hell, you are prepared to swallow whatever. Alléluia. Get on the other side of Jesus Christ. Get on the table of Jesus Christ. Open your heaven, let your fire fall. Jesus, open heaven, Jesus, let your fire fall. Jesus, open your heaven, Jesus, let your fire fall. Jesus, open your heaven, Jesus, let your fire fall. We need your fire. Fais qu'il y arrange, fais qu'il transforme, fais qu'il ouvre les yeux spirituels, les yeux physiques, fais qu'il ouvre les oreilles, fais qu'il s'accroche les enfants de Dieu, qu'il s'accroche notre cœur pour comprendre le mouvement de Dieu. Begin to ask God, let him release fire, fire that opens the eyes, our spiritual eyes, fire that opens our ears, fire that circumcises our heart, and you begin to understand who the Lord is, who the Lord is, and his movement. Ask the Lord, let our fire, take over your life right now. It's the day of our prayer. Lord, let your fire, our fire, your fire, your fire. Holy Ghost fire, take over. Fear the certain state, plan control, fear the certain state, then plan control, say this place. Viens prendre contrôle de ma vie. Seigneur Jésus, qui t'en fait, rends-moi mon corps, mon sang. Tout le monde dans mon corps, prends-le, fais une fraction, fais une réarrange. Ma tête, mon chevet, tout ça qui me patère, dans tout l'organe de mon corps. Every organ of my body receive Holy Ghost fire. Reçois le feu du Saint-Esprit, le feu qui transforme les enfants de Dieu. Le feu qui transforme, le feu qui fait opération divine, le feu opération divine. Seigneur Jésus, prends contrôle de ma vie. Holy Ghost, take over my life. Take over. Holy Ghost. Holy Ghost, thank you, Jesus. I will never multiply for Satan. Je ne dois pas multiplier pour Satan. Ma multiplication, ce n'est pas pour Satan. Priez comme le Seigneur. I refuse to multiply for Satan. I refuse to reject. Pour multiplier pour Satan. Je refuse. I will never multiply for Satan. I refuse my fire of Holy Ghost. Lord Jesus, I will not multiply for Satan. My generation will not multiply for Satan. My generation ne peut pas multiplier pour Satan.
Je refuse le nom de Jésus-Christ. Ma génération, ma femme, ma soeur, toute mon éducation pour sa part. Je refuse par le sang de Jésus-Christ. Je refuse par la parole de Dieu. Je refuse par la parole de Dieu. I refuse à l'idée. Every satanic multiplication. Every demonic multiplication. Every evil multiplication. I will never multiply for Satan. I will never. Jesus. Jesus, come and do your work in my life. So every church of love that I've been, they refuse to multiplication of Satan. They refuse to reject. In my dream, physically and spiritually, I refuse to reject the multiplication of Satan. Don't worry, physically, spiritually, they refuse to multiply of Satan. Jesus, ah, thank you, Jesus. I refuse to multiply for Satan. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jesus. Thank you, Jesus. Oh, no, be sent in the Son of the Air. Ah, I'm going to pray. 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 Il y a des gens bien aimés qui sont dans la multiplication satanique. Tu es riche, toute ta richesse, c'est pour servir Satan. Ça, c'est multiplication satanique. Tu as de faire les enfants battus. Et tu penses que c'est mes enfants, c'est mes enfants. Ça, c'est multiplication satanique. There is some people, they think that they are rich, all their riches. All the increase they are getting and their riches in the worldly material things is just satanic multiplication. You see them, they be having children all over. What they are just busy doing is satanic multiplication. May God deliver us in the name of Jesus. You see some people, wisdom, they have wisdom of the world. Wisdom of the world is satanic multiplication. Les autres, vous allez voir, la sagesse et l'intelligence, ils sont partis, ils sont tous de degré, master et tout. Mais ça, tout ça, ils sont tous de tout ça pour faire c'est pour la multiplication satanique. Oh, on va prier. Seigneur, délivre-moi dans toute affaire de multiplication satanique. Délivre-moi. Lord, deliver me from every multiplication satanic multiplication. Deliver me, Lord Jesus. Deliver me, Lord Jesus. Anyhow I have been caught in it. Deliver me. I told her,
The word is, let us call it 8 billion. I think so. Okay. I now say, count how many of that 8 billion belongs to God. How many of that 8 billion going to hell? The healer said that, okay, count. We believe that compare him out with you. Compare. Donc, il est demandé, maintenant dis-moi, c'est quoi multiplication? Multiplication ou c'est mauvais multiplication devant le Seigneur? Donc, toi qui dis que tu es chrétien, juge maintenant, juge à toi-même, avant que Dieu ne juge les choses. I told you, sister, judge now, before God judge, or just judge it. We 8 billion living in this habitat of this earth. How many are multiplied from God and how many is of Satan? Compare qui sont de Dieu et compare qui sont de Satan. Juge toi-même. Donc on a le résultat. Alléluia. Il a dit vraiment. C'est vrai. Alléluia. Donc, priez que Dieu. Donc, le malheur que tu as fait chercher là, après le réchange, change ton point de prière. Il dit oui, je vais changer. Dis le Seigneur que Dieu, si c'est ta volonté qui t'est mariée, donc fais. Si ce n'est pas ta volonté, tiens donc, je ne voulais pas multiplier, faire des enfants qui ne pas te servir. Parce que tu fais des enfants qui ne pas servir, tu viens aussi ajouter, faire la multiplication satanique. From now, change your point of prayer. Ask God, if it is your will for me to marry, give me the man that is for you. But if it's not your will, close that chapter. From now, I want to change my prayer points. Because if you marry and bring more children, more to add to it, that 8 billion. And the majority are going to hell. So you see that you are just increasing the kingdom of hell. Fire. You are just increasing it. So change your prayer points. Hallelujah. He said we should go and multiply. He is speaking in parable. I hear. It is a divine multiply. C'est un parable aussi. Parce que quoi? Après, le temps qu'il a dit ça, est-ce que ça va déjà polluer l'homme? Non. You see it? C'est ça que je dis. When God said it, Satan has not polluted man. So, what is the existing that time is God image and God nature. I hear. Vous savez, non, le temps que Dieu a dit ça, tout Adam et Eve, ils sont encore dans la nature de Dieu, mais encore pour nous. Donc, ça que Dieu demande, il va vous multiplier sur la terre pour être mon image. Dieu voulait voir la continuation de son image. Alléluia. Donc, comprends la parole de Dieu. Si tu comprends la parole de Dieu, tu ne veux pas ouvrir la bouche, parle n'importe comment. Les gens parlent n'importe comment parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Si tu comprends ça que Dieu est dit, tu ne veux pas ouvrir ta bouche, parle n'importe comment. Dans l'égalité, il va aller multiplier le monde. Adam et Eve encore sain. Donc, Dieu a été d'attendre le même fruit d'Adam et Eve, qui sont images de Dieu. Mais aujourd'hui, combien de personnes qui sont images de Dieu donc, sur la terre et tu peux aller multiplier? Je dis, nous allons aller multiplier. Multiplier quoi? Multiplier le péché. Le péché. Tu ne sais pas que, comme on a dit de coucher et faire les enfants, c'est comme ça aussi, on a dit de multiplier le péché. Le péché a été de multiplier. Nous sommes Alléluia. Mes enfants, combien des enfants qui savent Jésus-Christ dans le Seigneur de la vérité? Ils sont tous dans le péché. Le péché a été augmenté. Alléluia. C'est pour ça que le monde est déjà fini. Bientôt Dieu va faire le clôture de monde. Alléluia. Si on veut, si on ne fait pas. Si ton pasteur il veut, il ne fait pas. Si ton bishop il veut, il ne fait pas. Si ton maître il veut, il ne fait pas. Si ton soutien général il veut, il ne fait pas. Dieu est dans le clôture de le monde là. Alléluia. Et dans les domaines des souris. Si ton président il veut, il ne veut pas. Il continue avec les bouger. Et il y a des plans. Et il y a des tout. Et maintenant, il est dans le clôture de Dieu. Alléluia. That is it. Whether the president wants it or not, whether the governor wants it,
or not, God has tired and is in the program of closing the space. So the only solution to you and I now is to run for our life. Get inside the boat, the Noah boat, that has been stationed to take us home. La meilleure chose que vous et moi maintenant, c'est coupe ta vie. Rentre dans le bateau de Noé, qui a déjà positionné pour partir à Elia. Parce que le monde est déjà dans la clôture. Que Dieu aide dans les esprits. Que Dieu aide. On va prier avant de parler au Seigneur. Avant de parler au Seigneur. Que toute activité s'entend. Dans ma génération, dans ma famille, sous mes enfants, sous tout ça qui me appartient, pour nous faire de revenir un matériel pour la multiplication des nouvelles choses, multiplication de son royaume, toute son activité, toute la stratégie qu'il a déjà utilisé, pour me faire de revenir un matériel pour multiplier son royaume. Que toutes ces choses soient détruites. Soit détruit. Cette stratégie soit détruite. Every stratégie, c'est pas ma main, c'est celle qui a use. To make me to become a matriel. A matriel to be used. A matriel to be used for his kingdom, to multiply his kingdom. In my vocation, in my family, in the life of my children, in my marriage, in my home. I stand by the word of God tonight. I stand by the word of God. I stand by the word of God. I command that strategy. Be consumed by fire. Be destroyed by fire. Be consumed by fire. Que cette réactivité, que cette attitude, que ce mouvement soit consumé, soit détruit, soit réduit par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, qui refuse, qui rejette, qui refuse, qui rejette, qui refuse, qui rejette, qui refuse. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Au nom puissant de sa prière. Au nom puissant de sa prière. Toute image de la bête. Every image of the beast in my life, image of the beast, dans ma vie, dans ma famille, dans la vie des enfants, dans mon foyer, qu'est-ce que j'ai là, c'est ça le sujet de Dieu. Prophète, décrit, priez, sur cette image. Que plus cette image, image of the beast. Because God brings that message unto us
and we are teaching, there's still going on Antichrist and the image. So here you can listen to the message on that today. I laid out the message, Antichrist, son image. I mean, now that today, if you listen up here, you have a multiplication. The guy said, let us read it, that's 15. Revelation chapter 13, verse 15. And he had power to give life unto the image of the beast. Thank you. That image. He has power. We are calling it, we are taking something else now because we are on prayers. He said he had power to give life. Life. To the image. To the image. And we have studied what is image. Image is likeness. Bible responds, give us the meaning in Genesis chapter 1, 26 and 27. Likeness. God said, God is one who started the issue of image. Let us create man in our image and in my likeness, in our likeness. And Satan, remember that whatever God does, Satan also will go and do operate. Satan also come there and said, I also will create my own image and I will give them power to even give life. And God also said, everyone that belongs to me, I give them power to march upon serpent and scorpion. So there is battle. Don't send the message on a field. Ilani, and Francis. Emmanuel. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête. Oui. Afin que cette la bête, c'est Antichrist, contre Jésus. Donc, ça veut dire que la bête aussi, il a aussi son image. Ça, c'est ça qu'on a dit par multiplication de l'œuvre satanique. Multiplication de le royaume satanique. Continue, il a dit quelque chose. Afin que cette image puisse parler. Il va parler. Il va dire qu'il va parler quoi? Blasphème. Contre Dieu. Il va dire des choses contre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous voulez, comme une église, un et faire tuer. Il va aussi, il va faire quoi? Rappelez que ils sont déjà revenus image de la bête. Donc, le Lord de l'aime papa, Satan. C'est pour tuer tous qui sont les vrais enfants de Dieu. Avec quoi? Avec la bouche d'abord. Blasphème. Parce que tu nous dis des choses qui ne me fait pas Dieu. Combat contre les enfants de Dieu. Combat contre le mouvement de Dieu. Critique le pasteur. Critique l'église. Et dis toutes les choses qui ne font pas de Dieu. La vérité qui sort de ce, il va élever comme ça. Tuer tout ça qui est concerné. Parce que. Comme Dieu a donné ses enfants la puissance, lui aussi, il a aussi donné tout son image. Les vrais enfants de Dieu sont l'image de Dieu. Les vrais enfants de Satan aussi sont l'image de Satan. Et quelqu'un ne pense pas qu'il est un enfant de Satan. Mais la Bible nous a fait comprendre que parler l'œuvre, pas de travailler. Alléluia. Par la parole qui sort dans ta bouche. Alléluia. Par ton comportement sous le Seigneur. Dieu nous aime. Mais tu condamnes tous les enfants de Dieu. Tu es image de Satan. Tu as dit de multiplier l'œuvre de Satan. Tu as dit de multiplier le royaume de Satan. Parce qu'il a dit, il a ordonné pour revenir son image. Et cette formation, cette puissance, c'est pour aller faire quoi? Pas. Il parle quoi? Blasphémé. Contre Dieu. Et après ça, il dit Faire tuer tous ceux qui ne l'adorent pas. Tout ce qui n'est pas accepté notre système. Alléluia. Tout ce qui n'est pas accepté est la bête comme nous. Tout ce qui a refusé pour blasphémer et me faire tout. Tout ce qui n'est pas accepté pour blasphémer parce qu'on se verse avec les autres. Tuez-les. Et quand tu as fait ça, tu as dit d'élargir le royaume, de multiplier le royaume de Satan.
Alléluia. Quand tu as fait ça, tu as dit, elle a dit, parce qu'il y a des gens qui vont te rejoindre. C'est vrai, il a dit que les gens ne doivent pas porter le pantalon. Il a dit que les gens ne doivent pas mettre les rouges à lèvres. Il a dit que les gens ne doivent pas mettre les boucles de soleil. Pour parler là-bas, tu es blasphémateur. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça dans la Bible? C'est la Bible. Tu as fait des blasphèmes de la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de faire? Tu as vu ces années, ils sont, avant que tu commences à casser les passés, ils sont déjà commencés, ils sont déjà le groupe. Ils sont déjà multipliés. Ça veut dire quoi? La multiplication satanique. Mais des décrets, de toute la multiplication satanique qui s'en fait élever contre nous les enfants de Dieu, que Dieu vient localiser les disgrâces dans les disgrâces. Que Dieu les disgrâces dans les disgrâces. Tout pouvoir qui a été multiplié pour t'attaquer, parce que tu sens le Dieu de la vérité, te déclare avant que ce soit que Dieu descende avec le sang de la guerre et les localise les distractions dans le Jésus. Maintenant, tu stresses dans notre Jésus. Any power that gravity multiply the circle to attack you because you're serving the true God. I stand by the power of Jesus. Let the Lord locate them before we finish this service. Scatter them to distress. Distress them by fire. Distress them by fire. Distress them by fire. Distress them by fire. Jesus Christ. They are beasts. They are beasts. It's all a bet. Alléluia. La bête a été multipliée. Alléluia. Multiplication satanique. Il dit, tuez-les. Mais je déclare tout pouvoir qui est dans la mission pour nous éliminer, pour nous tuer. À partir d'aujourd'hui, que Dieu les localise. Sept secrets, sept tombeaux, sept stratégies voulaient passer pour nous tuer. Que cette stratégie les localiser et les avaler dans le Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de sa prière. Every strategy they are using, they want to pass through to kill us because we have chosen to follow the rugged way. There is a rugged way, rugged way. The way of the Lord is a rugged way. Vous voyez qu'il y a des essayés pour chercher nous, éliminer, parce qu'on a choisi pour sûr ce chemin rigoureux. Le chemin de Dieu se rigoureux, bien aimé. N'importe quel pasteur qui va te dire que le chemin de Dieu c'est autoroute, c'est un mensonge. Le chemin de Dieu c'est rigoureux, c'est pas autoroute. C'est pas autoroute, bien aimé. C'est le chemin de Dieu là, dit l'homme. Il y a plein de choses à rencontrer dedans. Mais la joie de Dieu, c'est que Seigneur, il va pouvoir te dire, allez-y mon enfant, allez-y mon enfant, allez-y mon enfant, allez-y mon enfant. À la fin de ce chemin, tu vas lui voir, il va te embrasser et bienvenue mon enfant. Prends ta place qui t'est préparée pour toi. Ça, c'est comme ça le chemin de Dieu là, il est. Plein de choses, tu vas rencontrer de toi. C'est pas un chemin qui est autoroute. Autoroute, tu vas trouver l'ambiance, tu vas trouver toutes choses, tu vas trouver le connerie, tu vas trouver toutes choses dans le monde, tu vas trouver les amis, tu vas trouver tout. Ça va te plaire. Le travail est dans l'autoroute. Et tout, le papier est dans l'autoroute. Toutes choses facile, 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 facile. Mais le chemin de Jésus n'est pas comme ça. Le chemin de Jésus, il n'est pas comme ça. Alléluia. That is the Lord we are serving. You will the way he lead you, that's why. Autoroute, the autoroute express road. It is not the way of law. It is not the way of law. Any man of God, any teacher teaching you that the way of God is express road. It's a deceiver, it's a liar. It's what is doing is multiplying, is under multiplication of satanic on this earth. And it's taking them to the kingdom of Satan. The way of God is a rigorous way. It's only those who you have chosen and called that can stand and follow that way. You will be going through it, it will be encouraging you. Move on, move on, move on. The song says, move on to the righteous side, move on to the righteous side, move on to the righteous side with God. Hallelujah, move on to the righteous side. Move on to the right of side, move on to the right of side with God. We are able to come and together TV to watch it. Move on to the right side.
He caused all
il recourse. Rich and poor. Free and born. To receive a mark. To your right hand. To receive that attitude. All in your forehead. Alléluia. Et quoi dire en français? Yes. Elle fit en sorte que à tous les hommes. Et il dit quoi? Tout. C'est pour cela que cette puissance qu'il va donner pour faire la personne revenir image. Il y a image de Satan, il y a image de Dieu. Comme Dieu il a donné sur ses enfants aussi la puissance pour faire aussi comme lui Dieu. C'est comme ça que Satan aussi, il donne aussi tout ce qu'il est su. La puissance aussi fait comme Satan. Jésus lui-même l'a confirmé dans le John 8 que vous êtes comme votre père. That's why Jesus Christ also said in John 8 that you people are like your fathers as from 38 to 47. Jesus Christ finished there. You are like your father, Satan, devil, killing people, killing my children, killing everything concerning. That is why you people are looking for me also to kill. If truly you are from Abraham, the children of God does not kill. They will praise the truth that coming out of your mouth. But you want to kill me because you are from your father. That is it. That's it. The beast operating. So, sir, he said, the spirit said, see, my man, who feared the Abraham? Abraham feared the Papa. The two sons feared them, the two in part. Tu as déjà tué combien de pasteurs, combien de prophètes de Dieu, combien d'églises de Jésus qui dit la vérité que tu as déjà tué avec ta bouche là. Ta bouche là. Rappelle qu'il a dit, quand tu reçois cette fonction, la première chose que tu fais, c'est parle. La première chose que tu fais, c'est parle. Qu'est-ce que tu parles? Blasphème. That's what the Bible says here. People don't know the word of God. When you receive that power from the beast, the first thing you say, speak what you speak, blaspheming the truth about Jesus Christ. Amen. And that's what they did in John 8. It's the same suffering that they did in John 8. Blaspheme the pastor, parce que j'ai dit la vérité. Combien de noms de Dieu que Dieu a déjà tué? Jésus dit, tu es comme ton papa. Tu as été manifesté le caractère, le comportement de ton papa, Satan, la bête. Et c'est lui qui t'a amené dans le monde là. Alléluia. Il dit tous. Continuons là-bas. Il dit les hommes, les petits. Tous les hommes. Petits et grands. Riches et pauvres. Même riches. Libre et riche, le riche sont contre l'esprit aujourd'hui. Il pense qu'il a la richesse. Mais la richesse, au lieu d'utiliser ça pour multiplier le royaume de Dieu, ils sont en train d'utiliser ça pour faire quoi? Multiplier le royaume de Satan. Le riche, il sait bien. The riches in the world, the world that they do. Ils sont en train d'utiliser la richesse to multiply the kingdom of God. They are using to multiply the kingdom of Satan. That is the anointing that flowing. That is the anointing they receive from the beast. Alléluia. Continue. Riche et pauvre, libre et esclave, une marque dans leur main droite et dans leur front. Cette marque, vous avez dit, c'est quoi? Attitude. À partir de 15 ans, on va comprendre que c'est attitude. Comme les papas. Cette marque in their head and in their hand. That is the mark they receive from their father. Chapter verse 15 extended to us. He will give them that attitude. He will give them anointing with it. Attitude, satanic attitude that will make them to be against every good thing that comes from the Bible. Amen. Even revealing enemy, de la Bible, de la vérité biblique. He said, attitude say, you put it. La Bible des Français dit sous. Non. La Bible anglais et la Bible des Hébreux dit il sera à l'extérieur. Mais la tête, pas la tête. C'est la part qu'on appelle anglais medulla oblongata. Ça veut dire le passement, il passe. Donc c'est pour cela que c'est là-bas. Attitude là pour blasphème, pour combat, pour lutter, pour critiquer. Elle me fait tout, parce qu'on se baisse. Dis les gens, on peut pas aller là-bas, tu es la bête.
Dans cette prière, appelle Dieu, que Dieu élimine cette grandeur et attitude dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que tu vas penser que tu as des progrès. Jamais dans ta progrès t'amener ici à la terre, sous la terre. Alléluia. Et oui, that person will be thinking that it's progressing. Your progress in the wickedness against God terminates on this earth. Alléluia. It doesn't go further. The judgment of God will come upon it. You are criticizing MFN, you are criticizing Pastor Sylvester, you are criticizing the truth that coming out here. Your judgment stands here. You have received an anointing from the beast to blaspheme the true movement of God. You are calling them not to come on this thing. You are blocking the children of truth of God not to go and seek for the truth. And God repented them and changed their way. You are against God. You are acting what your father is. Satan. Jesus said in John 8, he said, from the beginning, he has been a liar. He has been wicked against the move of God. And that's what you are. May God deliver us in the name of Jesus. Get on the end of Jesus Christ. The Messiah of the Lady, watch and pray. Le message de notre prière, il dit, sauvez-vous et priez aussi. C'est ça, non? Prêt à watch and pray. On va aller là-bas voir après. Alléluia. On va aller voir. Qu'est-ce que, quoi, nous a dit? Soyez-vous vigilantes et priez. C'est parce que quoi? C'est à cause de cette chose. Why did he say, monsieur, be watchful and prayerful? Because of this. That serpent, that beast, will not come and show all that I am a beast. No. La bête là ne peut pas venir nous montrer que je suis la bête. Non. Non. Que Dieu le délivre. Il peut être, nos enfants. C'est pour ça qu'on doit, il dit, priez-vous. Que la bête de l'homme appelle dans ta maison. Priez-toi. Bien. Que tous ces enfants que tu as mis là ne peuvent pas aller recevoir la marque de la bête et rentrer dans la maison. Comment ça combat contre toi? Priez-toi que le mariage que tu voulais aller marier là, tu ne peux pas aller marier la bête qui va te bloquer pour entrer dans le royaume de Dieu. Soyez vigilant. Alléluia. Soyez vigilant. Parce que ça, peut-être que tu as un problème, c'est parce que tu as la bête dans ta maison. Et tu penses que tu sens Dieu. Et la bête, quand ça rentre, c'est avec toi, sa mission, c'est de t'envoyer à l'enfer. C'est ça que mes frères, ils me diraient. C'est cela, je me vois. Un maman, un papa, quelqu'un qui a bien vie, c'est ton enfant qui ne connaît rien, qui va te dire, pour aller dans cette église, pour aller dans cette église, à ton âge 80 ans, à ton âge 90 ans, tu mets encore le mamie water sous ta tête. Et ton enfant qui est encore 20 ans, c'est lui qui vient, qui prépare ta tête, qui met ça sous ta tête. Maman et papa, qu'est-ce que tu cherches encore? Quel sexe que tu cherches encore? Quel sexe? Quand on parle de choses, on parle de hey, il voulait être belle, il voulait être belle, il voulait être belle. Mais toi, qui as déjà, quand tu te prépares pour aller dans ce chemin, soit bon et mauvais, pourquoi tu mets ta tête encore? Tu laisses ta tête encore? Les choses qui sont très dures là, les choses qui font mal là, les choses. Tu mets encore ta tête. Et ton enfant que toi-même, tu as dit dans le monde, se dit maintenant que tu as dit qu'il faut mettre ça sous ta tête. Fais attention avec cet enfant. Peut-être c'est lui qui a déjà reçu la marque de la bête qui est contre la salut. La vérité, sa mère. Je suis là, il a bu du tout. Dis-le la vérité. Vous m'attaquez, attaque-moi. Depuis que je suis là, on s'est attaqué. Vous avez fait quoi? Donc, pourquoi il ne peut pas dire la vérité? La Bible dit qu'il faut avoir peur de celui qui peut détruire mon âme et mon corps. Tu me détruis partout, mais tu ne peux rien. À la fin, tu ne sais pas que tu as été détruit toi-même. Tu as été préparé à l'enfer, là où que tu vas aller. Pour vivre là-bas. Alléluia. Ton pasteur, le faux pasteur que vous avez allé, ne peut pas te dire ça. Parce qu'ils ont déjà signé le contrat avec la bête. Ils ont déjà reçu cette puissance et cette. Alliance avec la bête. Comment il va parler contre son papa? Il ne peut pas parler contre son papa. Alléluia. He can never speak against his father because the Bible said there,
He has given them power to become his image. Your pastor cannot speak against the beast. He cannot, because he has received power from him. But I am standing and telling you the truth, because the word of God has come unto me, and I stand as the image of God, and he has sent me to expose the beast standing in that church, preaching to you and the calling pastor. Which pastor he is? Yes, Satan has his own pastor. God has his own pastor. Amen. We, Satan has some pastor. In the streets of Sila, some pastor. Amen. 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 C'est ça le pasteur qui va nous donner. Et il dit quoi? Il va vous réserver quoi? La sagesse, l'intelligence, la connaissance de Dieu. Hey. La sagesse de cette parole, la connaissance de cette parole et tout ce qui concerne sa parole. Il dit mon serviteur, il va vous laisser ça. Donc ce n'est pas tout le pasteur. Il n'est pas dit, je vais vous envoyer dans tout le pasteur. Non. Il dit le pasteur qui. Oui, de moi-même Yeshua. C'est la chose qui est dans Jérémie 3. De ma own pastor that I have chosen. And he will teach you wisdom, knowledge, and understanding of me, of this world. It's not every pastor. I hear you. La parole dit, c'est pas quelque chose pour faire n'importe quoi. Le moyen est tout. Ah, prépare, on doit préparer bien aimé. On vit, on dort avec image satanique. Image de la bête, vive avec lui. C'est pour ça que des fois, ça veut dire quelque chose qui me fait mal. Que tu trouves, tu parles de ça toujours en francophone. Comment quelqu'un qui ne croit pas ton Dieu, quelqu'un qui ne sent pas ton Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible là, c'est bien maintenant qui va te dire comment tu vas élever tes enfants. Tu veux montrer tes enfants la Bible. Comment il doit marcher? Et la Bible dit, quelqu'un, il va sortir là-bas, même si on a sorti dans le même ventre. Ah, que, parce qu'on a sorti dans le même ventre, il n'est pas dit que nous tous soyons dans le royaume de Dieu. Il dit, Jacob avec Saul, ils sont sortis dans le même ventre. Mais Dieu lui-même qui avait le délai dans le ventre, il a condamné Saul avant de la naissance même. Quelle Bible que nous avons lit? Quelle Bible que nous avons lit? Quelle Bible en dessous les gens qui ont reçu la marque de la bête. Pour, regarde ça qu'il y a là-bas. Il me regarde sur le sujet de marque. Il dit, va aller combattre contre lui. Comme ça veut dire que va vous aussi faire évangile pour moi. Comprends la Bible. Dieu il dit, nous on va aussi aller faire l'évangile. Satan aussi, il dit, ses enfants aussi, va aussi faire évangile pour moi. Dites tout le mensonge que Dieu vous dit. Celui qui ne veut pas accepter notre évangile, la différence de Dieu c'est tuer. Mais la différence de Dieu c'est les enfants de Dieu, leur évangile ne tue pas. En tout cas, tu ne veux pas pour le voir. Mais Satan il dit tuer. Tuer comment? Comment c'est blasphème de l'église? Blasphème la guéva, blasphème pasteur Spèce, blasphème le fait tout, blasphème, dis-le, quelqu'un est en train de m'envoyer là-bas. Ça, c'est, ils sont dans la crucifixion de Jésus-Christ. Alors que les vrais enfants de Dieu, ils viennent te dire, tu voulais mourir dans ton église, ils te disent, ok, que Dieu te bénisse, mais il ne peut pas te prier pour toi. Ça, c'est la différence. That's the difference. Alléluia. When they received that anointing in that Revelation 3:13, he said, if you go, God said his children to go and evangelize. He said, as many that believe, it is not false. He said, make them to be my disciples. But Satan says here, Satan's own ministers said, go and take them and win the more souls to me. Anyone that refuses this, my own gospel, kill him. Kill him. How do you kill him? Is blaspheme them. Blaspheme that church they are going. Speak against that pastor. Speak against that church. Use everything. Attack. Make sure you come to your own church.
If it doesn't come, kill him also join it. Kill him. That's why if you do mistake, leave that church. If you hear the truth, leave that church and say that you want to go and worship that place, that is truth. Ah, come and see war. War. They will rise against you. They will fight you. They will use everything. They will use everything against you to frustrate your life, to make life difficult for you. Until you carry your back, run away from that city. That's the only way you get solution. That is the game that is going on. What is it? The true children of God. They preach to you. They say you don't want. They leave you. If the person loves you, you only say, I'll be praying for you that God will open your eyes so that you can see the truth. Maybe one day you will know where you are. That's the difference between the child of God and the child of devil. The child of devil will fight with everything. Especially you have post there. You now leave. Ah! You are finished. I hear you. Especially man, under the post, not only this. Ah! You are finished. On va faire la vitre. Si tu as donné la battue, il va retirer la battue. Il a donné le travail, il va retirer le travail. On donne le papier, il va prendre le papier. Si on donne le mari, même tu as marié là-bas, il va casser ce mariage. Wickedness. Bici. Il va te montrer l'attitude que toi-même tu vas comprendre. Ah! C'est la bête. They will show you an attitude. You yourself will tell you, know that you people are beasts. Ha! I leave your church. Is it a problem? I have my rights to worship anyway. I can't get the phone to go to the police. They can tell me the same problem. They want to have who? I leave them for who is some do them for the who? Some problem. Qu'est-ce qui est votre problème? Dieu est mon droit pour appuyer comme tu fais. En tant que je suis un enfant de Dieu, je vois dans la Bible que la Bible dit femme ne doit pas appuyer, montrer le sein, montrer son face, montrer n'importe quoi, mettre ce Dieu, tout. La Bible condamne tout ça et Dieu choisit pour faire comme ça. Pourquoi ça te gêne? C'est ça, non? Pourquoi ça te gêne? Pourquoi c'est des dirages? Hein? Pourquoi c'est des dirages? C'est pas moi qui a commencé ça. Le musulman même est habillé comme ça. Aïe. Parce que le musulman a su la loi de Moïse. Aïe. Regarde les adventistes aussi. Il y a le foie. Ils sont là-bas. Ils sont même dans le foie. Après, si je vous dis, si c'est toi que les gens là sont dans les rêves. Ça, c'est le premier, les gens qui sont premiers qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. C'est parce que le diable, il a donné ce qui est bon, il a donné ce qui est mauvais. Amen. Donc, look at it. C'est pour dire the whole Jehovah's upon all the cold, upon the snow, they are there with their skirts and everything doing the work of God. Am I the first that started it? Why my own person is angry? Is angry. Bible says this is the way a child of God must be dressed. And I have seen it in the Bible, and I choose to be like that. Why are you persecuting me? The Muslims follow their dress like that because it is Moses' law. They are keeping the law of Moses. I hear. Now I say that I have chosen Jesus Christ. My own Jesus is modernized. Why then the Jesus of this Bible is not modernized? And your pastor is telling that it's modernized. That Jesus has changed his system of dressing. That Jesus now is wearing sexy. In fact, Jesus is a fornicator. Jesus loves fornicators. Jesus is a lesbian and a gay. That's what many of them are saying. I hear. And they say you should be dressed like that. And your pastor is saying that nobody should judge you. God does not judge. Leave them. So we say, when that talk will happen, you that the way closer, he will drop, that closer will drop, and he will transform. Amen. Then I ask them that, so he that is smoking cigarettes also, cigarettes will drop, and he will transform and go to heaven. He that is fornicating, raptor will come there and remove that woman, is fornicating with her, transform him and take it to heaven.
And some people are following that they are happy. Alléluia. Voici le message qu'ils sont allés prêcher. Et les gens lui disent, il va porter, quand tu prends le pantalon, quand tu vas avec moi, il va venir. Le pantalon, il va tomber. Dieu va mettre des robes automatiques. Tu vas partir aussi. Donc, si tu as te forniquer aussi, Dieu va venir là-bas, il va séparer cette fornication, il va te laver, il va te prendre au royaume de Dieu. Donc, si tu as te fumer de cigarette, et l'enlèvement, il vient aussi, c'est pour toi, il va te prendre aussi, il va enlever la cigarette, il va donner ça, il va te prendre, il va aller aussi, au royaume de Dieu. Regarde le message de la bête. Le message de la bête. Alléluia. La bête vit avec nous. La bête, ils sont avec nous. La bête, avec les prêcheurs. La bête, il est pasteur. La bête, il est dans notre maison. Le plus grand des gens que nous, on dit, sont nos amis. Ils sont la bête. Alléluia. Comment il a dit de recevoir mon enfant? Comment il doit vivre? À travers la Bible, pour être bien, pour atteindre le royaume de Dieu. Toi qui viens là-bas, mets ta bouche dedans, à te de dire n'importe quoi. À te dire, mal, recevoir mon enfant. Tu es la bête. Laisse-moi avec mes enfants. Dieu trouve la vérité. Dieu trouve les règles que Dieu fait. Et Dieu les corrige dans la maison maintenant. Pourquoi tu mets ta bouche dedans? C'est de ça que nous délivre nous les francophones. Les anglophones. Tu n'aimes pas me voir si tu as été corrigé mon enfant correctement. Tu viens mettre ta bouche là-bas. Devant-toi, il vient de te demander qu'est-ce qui est ton problème? Qu'est-ce qui est ton problème? Même si on a sur le même plan, tu peux dire, pardon, fais attention. S'ils sont bien, demain, c'est pour moi. S'ils sont mal, c'est toi aussi qui vas venir dire, ils sont les enfants des pasteurs chez lui. Je ne vois pas comment ils sont modèles de partout. Donc, ferme ta bouche, quitte devant moi. Je vais te dire nous-mêmes que tu jamais, peut-être que si tu me vois, tu ne peux pas me saluer. Alléluia. Mais nous, on va dire, tu es mes païens. Quel parent? Voilà qui a été allé à l'enfer. La façon que notre parent nous a enlevé, est-ce que ça a glorifié Dieu? La même façon aussi, il veut que la même chose aussi, que j'ai fait ça aussi sur mes enfants. That's what we the friends, vous l'avez pu aussi. We say, they are my brother, they are my friend. They are my parents. Which parents? The way our parents did to every one of us, is it glorifying God? Now I find the truth and I'm putting my own children, putting them in the way that at the end, we shall all be in heaven. And you are coming there to put your that mouth that has been ordained by beast. In the case of my family and my children. Instead of you to help me to support, to build it, to give them good advice, you are coming there to attack the good one that I have, the good seed that I have sowing into your life. Don't know that you are a beast. I am here. On est venu m'aider pour leur dire la vérité, les choses qui sont la vérité, pour leur parler des enfants. La Bible dit, vous êtes chrétien, non? Il dit oui, vous êtes chrétien, non? La Bible dit, obéis à tes parents. Ce que tes parents ont dit là, c'est la Bible. Il y a les parents qui disent les enfants, va aller boire alcool, va aller dans le cinéma, va aller regarder la pornographie, va aller faire n'importe quoi. Mais tes parents, ils n'ont pas dit des choses comme ça. Tes parents te disent des choses qui correspondent avec la Bible. Mon enfant, écoutez la voix de tes parents sur cette voix. Au lieu de ça, tu viens me dire, ils sont déjà dit, laisse-les aller faire l'élevée. Tu es la bête. Alléluia. Le beast in the house, la bête dans ta maison. La bête, c'est mes frères. Quel frère? Les frères de Jésus-Christ, combien de frères de Jésus-Christ qui sont contents avec le ministère de Jésus-Christ? Amen. Est-ce qu'on pense que tous les frères de Jésus-Christ, c'est tous les frères de Jésus-Christ qui a rentré dans le royaume, qui a rentré là où Jésus-Christ il est? Là, Jésus-Christ est aujourd'hui. Tous les frères là, vous pensez que tous ils sont avec Jésus-Christ? Amen. C'est des frères, mes frères. Connais la Bible. Alléluia. Le sommet que nous sommes là, c'est individuel. Laisse-moi recevoir mes enfants à travers la Bible. Je suis un enfant de Dieu. Tout ce qui me suit doit
être comme la Bible dit. Si tu n'avais pas dit mes enfants là, les choses qui concernent Dieu, pour pas même approcher. Pourquoi tu ne dois pas mettre pas le droit? Dieu le doit pour aller à la police et aller te dossier sur toi. Okay. Lila, c'est mon frère, mais son comportement ne devient pas, son attitude ne devient pas. Il voulait détruire mes enfants. Donc après de jeudi, l'État, qui dit c'est de faire la séparation totale entre avec mes enfants. Dieu le doit faire ça. La Bible dit, qu'est-ce que le ténèbre avec la lumière est faite? L'hôtel de bas, il y a la séparation. Dieu là, la Bible dit clair la séparation. Avec celui qui est infidèle. Infidèle avec les fidèles ne doit pas marcher. Impossible. That is the Bible. La Bible dit les choses, mais nous on voulait faire ça qui nous plaît. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'on a toujours le problème. C'est pour ça qu'on prie. Veillez-vous. Veillez sur qui? Veillez sur ton papa. Veillez sur ma maman. Quand il y a certains d'esprits, c'est moi-même qui a conduit mes parents dans le Seigneur d'esprits. Alléluia. Quand il y a certains d'esprits, c'est moi qui a commencé à dire mon papa, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça encore, tu ne dois pas faire la libération, tu ne dois pas aller avec les anciens de vous appuyer, vous allez faire les bêtises là-bas, faire le sacrifice, faire tout ça. La Bible contient toutes ces choses. Et toutes ces choses amènent le problème sur nous qui sommes tes enfants. Je ne fais pas. Et comment je vais monter dans la Bible? Et mon papa, il a vu tout ça, il a arrêté, il a stoppé toutes ces choses. Non, il commence à dire qu'il ne veut pas. Il commence à quitter au milieu de tout cet ami qui lui fait, qui lui amène pour le choix dans sa vie. Comment on ne veut pas faire ça? Ça m'arrête. Ma maman est dit, ma papa est dit, disons, comment tu dis les choses? Si, ça que nous on lève seulement, quand Dieu vit les francophones, c'est pour critiquer la vérité par les choses qu'on ne doit pas parler. La vérité est là-bas, au lieu de dire ça, restez disons, même si vous voulez couper ma tête, coupe ma tête. Je préfère que je meure sous la vérité au lieu de meurtre dans le connerie et aller à l'enfer. Mais non, jamais. On va continuer de dire les choses que ne préfère pas Dieu. On commence à dire, ah, mais c'est pas, peut-être Dieu. Mais oui. La grâce nous couvre, l'amour de Dieu nous couvre. Alléluia. Comment notre délivrance va être effective? Veuillez-vous prier. Il dit notre ennemi, c'est sa patte. Il a déjà ordonné la personne qui parle. C'est un Satan, c'est un diable, c'est un antichrist. Aïe. Envoyé par un diable dans notre famille, il peut être notre maman. Il peut être notre papa. Il peut être les enfants, il peut être ton frère et ta sœur. Il peut être, il can be your father, il can be your mother. That beast there can be anybody. Anybody, he gave it, he anointed everybody on this planet. Amen. Can be anybody. God deliver us. So watch and pray. As you are praying, you must be vigilant. It can be your wife. It can be your husband. That husband that don't want you to live according to the Bible. It's a beast. Pray. That spirit needs to be cast away from him. C'est le mari qui ne peut pas que tu fais la volonté de Dieu. C'est la bête. Ça que tu peux faire, prier de Dieu que tu le sauves dans cette terre. Que tu chasses cet esprit. La bête qui est dans sa vie. C'est pas que toi maintenant tu vas aller rejoindre. La Bible dit la femme doit obéir son mari. Je vais vous dire quelque chose qui est très très clair. Quand on parle du chemin que nous sommes là, le chemin que nous sommes là, c'est soit que tu choisis Jésus-Christ et tu choisis ton mari. Jésus-Christ l'a dit quoi? Prends ta croix sur moi. La croix qu'il a dit là-bas signifiait quelque chose qui t'a fait. Qui t'a fait chauffer dans ce chemin? Quelque chose qui est chaud. Et tu ne sais pas. Si j'abandonne Jésus-Christ, c'est la mort. Si
laisse les personnes sourdes. Il va m'agir, il va divorcer. Il va me divorcer. Il va me faire quitter dans sa maison. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le choix maintenant, c'est sous Jésus-Christ. Le choix maintenant, c'est sous Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas t'abandonner. Mais la personne, cette chose, il va t'abandonner. Cette chose, il va t'abandonner. Ou il va t'amener à l'enfer. Mais Jésus-Christ, c'est Jésus. Si c'est le mariage, à la fin, quand la personne dit que tu as pris ta décision, que c'est Jésus-Christ. Il peut aller marier et faire n'importe comment. À la fin de sa vie, Dieu va. Dieu, c'est quelqu'un qui n'aurait pas disgracé. Dieu va le disgracer. Il va revenir mettre à genoux et te demander pardon. C'est ça que les gens ne connaissent pas. That's what people doesn't know. That's what people doesn't know. This road that we're following. He said, carry your cross. The cross there is that thing that is so difficult for you. You look at it, thing that is difficult. Maybe it's marriage. You want to serve God, your husband or your wife said, you can never dress like this. If you do it, I will divorce you. And you are in a situation where you don't know what to do, whether to follow your husband or to follow Jesus. Instead of you to follow Jesus, because that's the cross in your own journey. Everyone has a cross to carry. It's not to carry that cross, follow Jesus, because if you follow Jesus, Jesus can never leave you. Impossible. But that marriage can leave you. Not only leaving you, he can take you to hell. But Jesus can never take you to hell. And you cannot follow Jesus and regret. Unless he went to be doing a process. And Jesus, if you follow him sincerely, he will make that man to come. He can go and marry and do all the rubbish. But Jesus will make him to come back and cry and beg him. That is who Jesus is. That is the cross there. We want to serve Jesus in an easy way, in a lovely way, in a way that pleases us, in a simple way, admirable way, very kindly way. That is not Jesus. Unless serve you avec deux choses bien, très facile, très, très à l'aise. C'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est un prophète de ma foi. Allez, il y a la croix que tu dois se lever et le suivre. Alléluia. Et cette croix aussi, c'est pas obligatoire qu'il va aller à cette croix. It is not also that cross, also it's not compulsory that you remove that cross from you. It's not compulsory. So we die with that cross. Yeah. Les autres qui vont mourir avec les croix, c'est pas obligatoire qu'il va y aller ça. Il y a le croix que nous on soulève. Que si il enlève ça, la personne va rester dans le monde. La personne va aller à l'enfer. Donc à cause de ça, il va laisser cette croix. Il va mourir de soulever ça. Je suis. Et de mettre le Jésus-Christ. Que ces gens ne connaissent pas. Ils sont sur n'importe quoi, on dit qu'ils vont dans l'église. C'est pour ça que plusieurs chrétiens sont à l'enfer et les brûler. Parce qu'ils sont en train de chercher Dieu très facile, très simple, très simple. Ils sont dans l'église là où il va croiser les pieds. Les passagers les préparent pour aller à l'enfer. C'est pas Dieu qui nous savent. C'est pas Dieu qui nous savent. Tout ce qui va rentrer dans son royaume va être un soldat. Ils sont ignes. Ils sont lions. Alléluia. Tout ce qui va rentrer dans son royaume, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Tu dois être vigilant. Être sage. Être malin. Luke 21. Let us take, let us read it and finish our prayer. Luke 21. Let us take it from, I think, 34 to 36.
34, 36. And take heed to yourself. Lest at any time your heart be overcharged with sorrow, and drunkenness, and care of this life. And care of this, don't worry about this thing, about all these things, this life. They come upon you all the day. So that all. As a snare. So that devil will not come upon you with all these things. That were on the face of the waters. Wash ye therefore, and pray always, that ye be accounted worthy to escape all these things. To pass, that they come to pass, and to stand before the Son of God. And in the day, time. No, it's okay. It's statistics. Statistics is okay. Amen. So all this is, all this trouble, come. Watch and pray. Very careful. It shall surely come. Amen. The beast shall fight the true children of God. I'm going to use all four. Watch them, they surely come. If we are careful, said we can overcome them. Alléluia. God, aide Marie en français. Luc chapitre 21, verset 34 à 36. Faites bien attention à vous-même. De peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie. Que tu trouves l'ambiance, tu voulais sentir que tout soit à l'aise. Continue. Et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en... La bête, il va faire tout sauce. Pour contre l'habitant de la terre. Je vais utiliser tout formulaire. Restez donc en éveil. Priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter devant, debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. C'est ça. Que Dieu vous donne l'aide dans les souris. C'est ça. Veillez, c'est être très très attention et vigilant. Qui te donne le conseil? Fais attention à cette personne. Who is giving you advice? Watch that person very well. Be very very vigilant. What kind of advice is giving you? Quel conseil la personne t'a donné? Il peut être pasteur, c'est pas tout le pasteur qui vient de Jésus-Christ. C'est pas tout. Il dit qu'ils sont ministères, qu'ils sont de Jésus. Ce n'est pas que l'église, qu'ils sont l'église de Jésus. Quel conseil que tu as donné ce soir? Fais attention. Veillez sur cet conseil. Alléluia. Veillez sur cet conseil. Tes enfants, ils viennent te donner le conseil qui est contre la Bible de Jésus. Veillez sur cet enfant. Veillez. Demandez cet enfant. Tout ça vient de où? La Bible dit ça. Ton pasteur est en église, il dit non. Fais attention. C'est moi qui t'ai dit dans le monde, non. Regarde ça que la Bible dit. Si tu veux, tu ne veux pas suivre ça, va. Un bon jour viendra. Tu vas. La parole qui a été dit aujourd'hui, il va répéter. Il va sonner dans vos oreilles. Alléluia. Et de l'aide de Jésus Christ. Mais God help us. We don't want to follow the true word of God. We follow evil advice, demonic advice. Beast that God has sent to pastor that giving us advice. The advice is not, it's against the biblical truth. And we are following them. He said, watch that advice they are giving you. Watch that cancer. That person you call pastor, call prophet, call Bishop, call whatever, G.O., call Pope, call His Highness or His Holiness. Watch it. Look at what is telling you. Is this corresponding with the Bible? Because you only love the word. You love the word. That's why he that will advise you also will
worldly person. He will give you advice that concerns the world. Alléluia. C'est parce que tu aimes le monde. C'est pour ça que Satan aussi va préparer quelqu'un qui va te donner le conseil aussi qui va correspondre avec la fête du monde. Alléluia. Que donne l'aide de Jésus-Christ. Parce que tu lèves des points, tu commets toi-même celle-ci. Parce que tu n'es pas trop fatigué avec sexe. Combien de hommes que tu as déjà couché jusqu'à maintenant? Combien de mariages que tu as déjà divorcé? Parce que tu voulais encore rentrer encore et encore de coucher. C'est pour cela que tu ne veux pas venir là pour te donner des conseils qui viennent dans la Bible qui dit non, arrête cette divorce. Arrête maintenant. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu. Tu as déjà fait les règles dans ton mariage. Restez tranquille, cherchez le royaume de Dieu d'abord. Tu ne vas pas venir là-bas. Tu vas aller voir celui qui va te dire, le pasteur qui va te dire, peut-être lui-même, c'est lui-même qui va commencer à te coucher avec toi. Il va te dire que tu es très belle. Ah, tu es très belle. Comment tu vas rester comme ça sans nous servir? C'est ça que les gens, c'est vrai au pasteur. Il était dans cette faux église, le pasteur m'a dit de rester comme ça. Il m'a dit de rester comme ça. Il dit, alors qu'il a sa femme. Il y a les pasteurs qui sont pichants. Et donc, il a de rester sur lui. Il m'a dit de rester comme ça. Il a sa femme. Regarde là, bientôt, il va faire très froid. Il couche avec sa femme, mais il m'a dit de rester comme ça, pasteur. Il est méchant. Hein? Le pasteur m'a dit, c'est vrai, il est méchant. Tu es très belle. Hein? Pas de problème. Il y a un frère. Lui aussi, il est un pasteur. Il va te dire, ça sera bien. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu ne dois pas rester comme ça. Laisse cette faux église. C'est faux église, c'est faux pasteur. Faut pas les écouter. La destruction a commencé dans la vie de la maison. Alléluia. Il y a des gens qui vont dire, ah! Souci que tu vas rester comme ça toute ta vie. Que Dieu l'aide dans le Jésus-Christ. Que Dieu l'aide. Il y a des choses dans le francophone, je vois beaucoup de choses. Mais maman Victoria a cassé les oreilles là. On va aller dire, ah, maman, attends, tu vas rester comme ça, tu ne vas pas chercher un homme qui va t'aider. Et elle aussi va commencer à se faire des rouges à l'heure. Et quand il y a des paroles, on est tous cassés. I have seen something in francophone people. Mais quand il y a des paroles, they never have shame. No shame. Des fois, beaucoup de choses à francophone. Il n'y a pas la honte. La honte qu'on. Quand Satan a dit, je suis comme quelqu'un, hein, voilà ce que Satan a fait. Il va enlever la honte. That's what Satan does. When he deals with somebody, he will remove shame. Remove shame. That person will never know anything like shame. You will never know anything that will say, ah, this one now shame. You never think of it. He will remove it completely. That's why quand tout est passé, quand passé, quand ils sont mis le pantalon là, on va voir maman 80, il va mettre le pantalon et ils sont en train de tirer. Les enfants sont en train de tirer. Ils se sentent quoi? Ils pensent qu'il est aussi jeune. Il va rentrer des marchés. Ok, Dieu le Père de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait chercher? Il cherche le mari. Tu lui demandes aussi. Il cherche aussi le mari. That's what. Asa Kouman 8 years. Where are you from that? Trying from that. Il y a des autres mini. Maman 8, maman 80. Et même le mini. Ici. Il met le. Qu'est-ce qu'il y a à là? Dans les machines. Co. Il cherche quoi? Il cherche aussi le mari. Que Dieu l'aide au nom de Jésus-Christ. Quand le vent vient, il tombe. Moi, il dit blow, you see her on the floor. Et il dit, don't have sweat again. But it's looking for sex. Which man we go and try it, you also see the man, those men that are blinded. Et les choses aussi avec les hommes, les francophones aussi. Ils sont très aussi, le diable aussi, la prière, ils sont frémés. Ils ne voient pas que
la femme là, si elle monte sur la femme là, il va mourir. Il n'est pas parce que c'est ça aussi. Il doit nous bénir dans toutes ces choses. Et Satan il est très très méchant. Satan is very very wicked. He will imply the male, also the male will never imagine that this woman, if I climb this woman will die. Satan will tell you, go, have strength. Hallelujah. May God deliver us and everyone just cast the wickedness of the beast. Hallelujah. Tout ça, c'est le comportement de la bête. La méchanceté de la bête. Alléluia. On va dire que c'est le foie, c'est le foie. Le foie, il porte le pantalon. Dans l'été, le mini, il fait chaud maintenant. Il fait chaud. Il fait chaud. C'est ça, on va partout. Que Dieu nous délivre. Satan, il est fou. On va aller, on va prier. On va te prier, on va te faire le pardon. Alléluia. On va te faire le pardon. May God deliver us from this attitude. May God set us free from whatever Satan has reason to deal with us. Que Dieu nous délivre dans toute cette attitude. Dans toute l'attitude de la bête. Dans tout le comportement de la bête. Comme dans tout ce que Satan a fait des choses pour nous succombe notre génération, succombe nos enfants, succombe tout ça que nous conseille. Que Dieu nous délivre dans notre esprit. Donc, délivre-nous. Whatever Satan has stated that he is to deal with us, the best, that antichrist spirit, that beast spirit, have turned human being to, can turn us to. We don't see the truth again, what we see is lie. Il nous a fait que on n'est pas fort à l'appliquer. Chaque fois, on voit et on croit. On voit et on vit pour toi, c'est le mensonge. Si c'est le mensonge, c'est bien. Mais la vérité, jamais. Priez de manière au Seigneur. Seigneur, délivre-moi, délivre ma vie, délivre ma génération, délivre mes enfants. Libère-nous dans toute cette attitude, dans notre comportement. Lave-nous, Saint-Esprit. Purifiez-nous, Saint-Esprit. God, wash us. Wash me. Wash me. Wash my generation. Wash my children. Wash my household. Wash my family. Wash us from that attitude. From that demonic attitude. From that beast attitude. It's a beast attitude. C'est l'attitude de la bête. La bête. La bête n'est pas la honte. La bête n'est pas la honte. Délivre ma famille. Délivre mes enfants. Délivre ma famille. Délivre mes enfants. Dans l'attitude de la bête. Délivre-moi, Saint-Esprit, délivre mes enfants. Lord, délivre-moi, délivre ma children from the attitude of the beast attitude, the beast attitude. I'm taking over everyone on the earth. I'm taking over everyone on the earth. No one is afraid of God. No one is afraid of everything concerning God. No one is afraid of the word of God. The word of God is no more applied. It's no more applied. Oh, Saint-Esprit, la parole de Dieu ne va never appliquer encore. Tout ça de l'enfer. On n'a même pas la parole de Dieu. On n'a jamais regardé la parole de Dieu. On n'a même pas la parole de Dieu. Prenez, il n'y a pas la parole de Dieu dans notre vie. Tout ce qu'on fait, c'est le conseil des gens qui ne connaissent pas Dieu. Le conseil des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Le conseil des gens qui ont déjà reçu le son de la bête. Qui ont déjà reçu le son de la bête. Seigneur, délivre-nous. Nous toi et ma vie. Nous toi et ma destinée. Nous toi et mes enfants. Nous toi et ma famille. Nous toi et vous. Purifiez-nous. Sanctifiez-nous. Lord Jesus, wash me. Wash my family. Wash my household. Wash us. Purify us. Save us. Deliver us from all the attitude of the beast. Deliver us, Lord Jesus. Deliver us, Holy Spirit of God. Deliver us, Lord Jesus. Set us free, Lord. Set us free, Lord. Set us free, Lord. Set us free, Lord. Father, set us free. Say, libère-moi dans toute cette affaire. Libère-moi, Saint Jesus. Libère-moi, Saint Jesus. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Say, help me. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, aide-moi, libère-moi, Saint-Esprit. Oh, non, puissant, nous sommes en prière. Je vais vous montrer quelque chose. Enfin, je vais vous montrer cette prière. Des fois, il y a quelque chose qui bloque notre prière. Il y a des choses qui bloquent notre prière. C'est tout ce qu'on a fait toucher là. Des fois, on dit, on prie. Dieu présente les choses là, de ça, il ne m'a pas encore donné. Dieu fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Regarde la réponse de Jésus-Christ dans le livre de Apocalypse 4. Let us see the Jesus Christ words. Sometimes we pray. Sometimes we ask.
Sometimes we begin to say, I pray, anointing is answer. You know this way. There's a revelation I want to show us there. In Revelation chapter 3. See what Jesus Christ said. Il y a une révélation que je vais vous expliquer là-bas. Regarde ça que Jésus a dit. Alors, de et toi. Apocalypse, toi, de et toi. Deux et toi. Two and three. Ok, two and three. Il dit, be watchful. Be watchful. And strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found their works perfect before God. Thank you. Remember, therefore, how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not wash, I will come on thee as a thief. And thou shalt not know what hour I will come. Hallelujah. He said something there. He said, be watchful now. Repent and rearrange the test. Something that you and I need to put in order. And you know what thing with God? That thing can be hindrance to our prayer. Hallelujah. That thing, that's what people don't know. The revelation there is that it's not only him also coming to take us here. He said he will come like a thief. He said, the revelation there is it can be that thing that is blockage to your prayer. And it's in us. Emily and Francis. Apocalypse 3, verset 2 à 3. Sois vigilant. Et affermis le reste. Qui est sur le point de mourir. Attends d'abord. Affermis le reste qui est sur le point de mourir. Qu'est-ce que ça signifie? On prie des fois. Des fois, l'église comme ça, j'ai prié, j'ai fait tout, les jeunes, j'ai fait tout. Mais pourquoi tout ce que là qu'on n'est pas convenu? Le Seigneur te dit que finis sous ta vie. Il y a des choses que tu ne fais pas correctes. Il y a la façon de Dieu choisir que mes enfants doivent me servir que tu n'es pas encore rentré dedans. Il y a des choses que tu as de faire, tu penses que tu as de servir Dieu, mais tu as de tromper toi-même. Ce n'est pas seulement pour rentrer dans son royaume, mais on reçoit notre miracle. Tu dois, il y a des gens que tu as créés dans le monde là, on va voir un verset encore. Il y a des gens que tu as créés dans le monde là, qui tu as sans doute, tu as rentré dans le royaume de Dieu. Mais tu as déjà, mais ça, c'est des gens que tu ne joues pas. S'ils sont dans les rêves, ils sont faits les petits soins de la loi de Dieu. Rappelle qu'il a dit tout ce que Dieu, qu'il est châtié. L'autre, il va dans l'église, il fait n'importe quoi, mais toutes les choses marchent bien pour lui. Mais il n'y a rien de chicote, il n'y a rien. Mais toi, tu voulais sur la personne. Mais toi, peut-être, c'est seulement les désobéissances que toi-même, tu ne penses pas. Mais pour lui, il péche, il forniquait même, il vit dans ton terre. Mais tout, il marche bien pour lui. Mais toi, tu ne suis pas comme ça. Mais peut-être, il y a des péchés dans ta vie que tu ne sais pas. Mais ça bloque ta vie. Et le Seigneur dit, va aller réarranger ça. Et toi-même, quelqu'un qui n'est pas la sagesse va dire, ah, mais lui là, il vit dans la fornication, il vit n'importe comment, et tout ça, c'est une marche pour lui. Mais pourquoi pour moi c'est comme ça? Ah, je ne vois pas cette Dieu. Là, il veut les roquer, non? Allez. La personne ne partait pas le royaume de Dieu. Parce qu'il dit, tout ce qui m'est, que Dieu, il est châtié. Tout est en train de châtier parce qu'il y a des choses à corriger dans ta vie. Que ton miracle est raté. Alléluia. This is what men of God don't understand. There is something, you can see other person, you go to church, and it's stupid people, and it's lying, he's selling drugs, he's fornicating, he's doing prostitution, everything is working for him. If he is even singing in the church, he's a pastor, he's into all kind of lies, and everything are working for him. And you, nothing like that. But there's something you don't even catch it as a sin. And the Lord said, that thing needs to be strengthened. That's why your own is blocked. Because of what? You are the seed of God. He said, those that I love, I chasten them. I flog them.
But that's why he doesn't love him. That's why he doesn't flog him. Go back to the Bible. Understand that way. He said, go and put that in the altar. So that what you are asking me will be released to you. You are my child. I am. Say that way, Father, and change that fee. Say, trust the two parts again. They can't even get it again. Suppose they book the Zoret. Book the Zoret. So, what book the Zoret? The right part of the world, they do. Dieu n'est pas Dieu qui ment. La Bible dit, il veillait sous sa parole. Ce n'est pas sous son nom. Il faut déjà s'agir. Ce n'est pas sous son nom. Il n'y a pas là que c'est écrit que Dieu il veillait sous son nom. C'est pour ça que n'importe qui, un féticheur, un cotique, Money Water, il peut utiliser le nom de Jésus-Christ. Ils sont partout aujourd'hui dans le monde. Ils peuvent utiliser le nom de Jésus-Christ. Ça marche pour lui. C'est pas ça. Ça marche. Mais c'est sa parole qu'il veille sur. Que tu mets ça n'importe comment. Ça va te chicoter. Ça va pas. Ça va t'affaler. Ça va te détruire. Il veille sur tout sa parole. Il dit ne mets pas le bout de soleil. Il veille sur ça. Il dit la femme ne met pas le pantalon. Il veille sur ça. Il dit ne mets pas le peintre. Le rouge à lèvres et tout ça. Il veille sur ça. C'est sa parole. C'est dans la Bible. Tout. Il veille sur ça. Je vais voir maintenant toi avec ton pasteur comment on va manipuler sa parole. On peut manipuler le nom de Jésus-Christ. On peut manipuler le nom de Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas manipuler la parole de Dieu. The Bible says, you want to survive? Yes. You can manipulate the name of Jesus Christ. Everyone is using it. And it's working for them. But his word, he watches over it. He said, not what the enemy is watching over it. Don't woman don't wear for it, it's watching over it. No, all this makeup, all this seduction, is watching over it. All is in the Bible. So I want to see, I will see how you and your pastor will manipulate this word. You can manipulate that name. You can do all your abracadabra with that name. And it will be, you will receive a miracle. But that word will surely, you will see it come to pass. Alléluia. Terminé. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Non, tout ici, je n'ai pas trouvé. Donc, pourquoi les gens disent que le Seigneur est né, qui commence à justifier toi-même. Il dit, il n'est pas trouvé. Toi qui justifies toi-même devant le Seigneur. Donc, parce qu'il dit que tu es un diable, qui t'a dit ça? Le Seigneur lui-même dit que tu n'es pas connaissé devant moi. Ton salut savait que tu n'es pas correct. Ou dis-moi même où que tu es correct. Ton salut n'est pas correct. Aïe, aïe, aïe. La prière même tout fait n'importe quoi. Depuis que tu es, tu sens Dieu, tu n'arrives pas même. La Bible dit, les enfants grandissent. Dieu nous a appelé pour grandir. C'est pas pour rester un place chaque année, un place. Cette parallèle fatigue, il faut fatiguer de cet enfant. C'est comme ça que Dieu est. Depuis que tu connais des choses, tu n'es pas grand. Quel parent qui va être content? Mon enfant, il est 10 ans. Il est encore là-bas, il prend le biberon. Ah, toi, réfléchis, tu dois penser. Il est Dieu. Il fait que tous ses enfants grandissent. We send the Islamic God. We want you to bless us. You receive Christ in 10 years. You are still baby, you are still drinking from the bottle. Which parents would be happy to see that kind of child? You are a child of 10 years, he's still eating with you from the bottle. And they will say, we want you to bless us. And you want us to move forward, grow in the Lord. Your service with the Lord is very poor. And you want you to bless you. He said there is things you need to go and strengthen. Go and rearrange your life if you want that blessing to come in. Hallelujah. Before even going to his kingdom. I find the member passing there, like I lay down somewhere. You know, Father, arranger ta vie. Tu dois grandir. Tu dois changer. Le travail que tu fais le travail, tu cherches, tu veux que tu donnes la promotion. C'est comme ça aussi, Dieu est prêt. Dieu veut te donner la promotion. Mais si tu fais ce travail avec une paix, si tu le sens, bien, tu vas te donner la promotion. C'est
C'est comme ça. Alléluia. Et donne l'aide à Jésus. Amen. Terminé. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Alléluia. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu ne saches à quelle heure. Que Dieu viendrait te surprendre. Que Dieu te délivre, au nom de Jésus. Que Dieu te délivre. La mort peut venir. What the same day, c'est pas seulement à l'événement. What the same day, not only rapture. Death can come. When the same is over, it is over. La mort, si tu dis que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas la repentance dans le tombeau. C'est fini, c'est fini. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit être sincère, correct, parfait. Ça qui s'appelle le Seigneur. On ne doit pas jouer. Parce que si vraiment on veut aller là-bas, on va prendre là-bas très très sérieux. La meilleure chose dans notre vie. Alléluia. C'est pour ça que la raison de Matthieu 6, 33, il dit cherche d'abord mon royaume. Cherche d'abord. Cherche-moi d'abord. Prends-moi d'abord comme la première chose dans ta vie. Mets-moi d'abord comme la première chose dans ta vie. Et laisse le reste. Laisse. S'il veut, il va m'étonner. S'il ne veut pas, il dit, ma grâce suffit pour toi. Qui veut se guérir, tu rentres dans son royaume. Donc, c'est pas tout ça. S'il veut, c'est comme ça. Alléluia. On va aller, on va prier. Il y a quelque chose qu'il a dit, je ne sais pas, ça cause l'air. Mais il y a quelque chose qu'il a dit dans le Luc 18, 5 et 6. Il a dit là-bas. C'est très important. Il sait something in Luke 18, 5 and 6. Il sait something there. There is something there that he said that is very, very important for the two children of God of the Lord. Il a dit quelque chose là-bas. Luc chapitre 18, 5 et 6. Verset 5 et 6. Mais puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Continue. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juste et injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Le fera-t-il entendre, attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Help me read it in English. 18 verse 5. 5 to 8. Yet, because this widow troubled me, and he affected her, let my hour continue coming, she weary me. And the Lord said, hear what your just said. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him? Though he bear not with them. That hold there. Hold there. Lo set. He said there, do he bear long with them? He put question mark. Yes. Il a mis un point de question. Il dit, dérégulation. Il dit, ça c'est là-bas. Il dit, sinon il peut rester silence sous les demandes. Il peut rester silence sous les demandes. Une question. Ça veut dire que c'est possible que tu restes silence sous ta demande pour longtemps. Alléluia. That's what they say there, that yes, you can keep silence for your request. You put question mark there that yes, it's possible. But at the end, he said, but you will surely do it. Alleluia. Somebody again, if you stay a long time in the report, said prayer. But it's not because in the part of it. May if I report some. So, somebody again, may if I report some. Rapid, my bleeding, rapid. Hallelujah. God, very fast, but he will think that les gens vont commencer à parler des choses qui n'est pas bien. Les gens vont commencer à critiquer. Toi-même aussi, tu vas commencer à dire des choses qui n'est pas bien. C'est pour ça que comprends la parole de Dieu bien. Dieu, il peut rester silence
Peut-être tu es dans le test. On a déjà fait beaucoup de messages ici. Tu es dans le test. C'est pour ça que tu dis pas n'importe comment. La bête va venir te forcer pour dire quelque chose. Quelqu'un à côté de toi, quelqu'un qui vit avec toi, ton enfant et tout, ton mari, ta femme va venir te dire n'importe quoi. Job, sa femme va venir te dire n'importe quoi. Alléluia. Si on comprend la parole de Dieu, on va connaître comment répondre à cette bête, la bête qui vient, à ce Christ qui vient. Alléluia. If we don't want to go, we know how to respond to that Satan that comes. As Job respond to the wife, he shouted the voice of the wife immediately. He gave her what you want. He called her, you are speaking like a fool of a foolish woman. So that's what the woman go, which kind of man is this? Because he wanted to be married, that's right. Hallelujah. Yes. Die, that's right, die, you want to die. I want to be here, right, my name is Seigneur. Hallelujah. Il ne sait pas qu'est-ce qui est cette chose qu'on a demandé au Seigneur, que le Seigneur, c'est pas qu'est-ce que c'est silence. Maintenant, on a déjà vu la parole de Dieu, on a vu ça que la bête est défaite dans notre vie. Plus mal que ça qui a été troublé dans notre vie, c'est quelqu'un qui est à côté de toi, la bête que Satan amène là-bas, dans ta famille. Il peut être n'importe qui. Et n'importe qui. Le temps des gars, c'est de suisse que mon papa a été élevé. Avec sa femme, a été élevé comme de suisse. Je lui dis, papa, fais attention. Fais attention. Comme tu as dit, parler comme de suisse. La parole de Dieu dit, de suisse, il a dit, le péché que Dieu ne peut pas jamais pardonner, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Papa, fais attention. Tu peux faire tout le péché, oui. Quand tu as dit, parler contre mon de suisse, il est là. Si il ferme la porte d'État, repentance, c'est fini. Toi. Voilà dans la Bible. Fais attention. Le diable ne doit pas t'utiliser. Laisse-moi avec mon Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est pas nous. Dis la personne, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis. C'est pas pour dire que mon pasteur est dit. Mon pasteur est dit. Quand il parle aussi, je vous dis, la Bible dit. Papa, la Bible dit. Et je montre où que c'est écrit. Tu peux faire tout le péché. Mais fais attention pour blasphémer le Saint-Esprit. Quand tu as dit d'insulter, tu as dit que parle de Dieu et de ça, et ça, et ça, et ça, tu as dit blasphémer le Saint-Esprit. Fais attention que Dieu ne peut pas faire la porte de ta salut. Si ça fermait, même si tu viens de là et tu dis que tu as déjà répandu, il n'accepte pas cette repentance. Et il y a beaucoup de comme ça dans le monde aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils sont déjà. Elle va dire comme c'est le péché, Jésus-Christ n'est pas accepté cette repentance. C'est un mystère que les gens ne connaissent pas. There's people in this world today, they are coming to say that they are converted to Christ and Jesus did not accept their confession because the beginning of their life they have blasphemed the Holy Ghost. And that is a sin, he says. You can never, it's a sin to death. No repentance. God can never accept the repentance of that person. So we are going to ask the Lord. I want to pray. Ask the Lord. Pray. Let God, the miracle working God. I don't know that thing I've been asking God. I don't know that thing I've been speaking to God. Is there any area? Is it God that put it in delay? And the devil want to make us to begin to speak against God. And begin to think, and begin to speak what does not glorify God. It's an opportunity for us to ask God. Have mercy and open the door for that miracle. C'est une opportunité pour demander au Seigneur, Seigneur, adore-moi et ouvre la porte de cette miracle. Prière. Quel genre de miracle, quel genre de choses. Ils sont en train de donner le conseil, ils sont en train de parler. Il peut être des enfants, il peut être des parents, il peut être des frères, il peut être n'importe qui, il peut être des voisins, il peut être des gens qui ont passé qui sont des amis, il peut être le pasteur, il peut être n'importe qui, il peut être n'importe qui. Il y a des nous parle n'importe comment. Parle Seigneur, Seigneur, pitié de moi. Localise cette miracle. Fais quelque chose. Fais de vos choses. Fais de vos choses. Seigneur Jésus-Christ, tes enfants sont là, tes children are here, do a new thing. Silence the voice that I'm speaking, asking where is their God. Silence cette voix qui parle, qui dit, où est ton Dieu? N'importe qui,
insulte son Dieu, qui insulte son Dieu, qui parle, c'est n'importe comment. Peut-être à cause de notre comportement. Peut-être à cause de la façon que nous aussi on parle. Peut-être à cause de la façon que nous aussi on comporte, on fait les choses. Les gens, ils ont regardé, ils ne voient pas cette Dieu. Jésus-Christ, ils ne voient pas cette Dieu dans notre vie. Seigneur, aie pitié. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous. Réarrange notre vie. Réarrange notre vie. Réarrange notre vie. Réarrange notre vie. Pitié. Pitié. Hear our cry, Lord Jesus. Hear our cry. The seed of Satan will never succeed over your children. The mark of Satan will never succeed. Antichrist will not succeed. La semaine de Satan ne jamais, ne peut pas jamais prospérer sur notre vie. L'activité, l'ordre de Satan, l'ordre de l'Antichrist, l'ordre de la bête, ne peut pas jamais, jamais à partir d'aujourd'hui. L'activité de déclarer que Dieu localise l'activité détruite. Seigneur, enterrer toute activité de Satan, de l'ennemi, des gens qui ne veulent pas. Et des enfants avancent. Qui ne veut pas que la prospérité de Dieu inverse dans la vie des enfants, Seigneur Jésus-Christ. Tout miracle que Dieu a déjà mis à part, ou que Dieu a déjà lâché, mais à cause de notre comportement, cet miracle ne manifeste pas. Seigneur, à partir de jeudi, que l'image des cieux, le ciel soit ouvert, le ciel soit ouvert, le ciel soit ouvert. Les anges de Dieu manifestent, libérez cet miracle. Seigneur, libère cet miracle. Seigneur, libère cet miracle. Seigneur, libère cet miracle. Seigneur, libère cet miracle. Jésus, lise nos miracles. Lise nos miracles. Those miracles, because of our character, because of our attitude, because of the direction and covenant of our mouth, all our attitude, those miracles have been blocked. I ask the Lord, by your mercy, let him open. Let him open. Let him open. Let him open. Let him open for those miracles. Let him open. Lord Jesus, let him open. The Jesus will be there. The Jesus will be there for those miracles. Tous ces miracles qui sont bloqués à cause de notre comportement. Notre attitude vers Dieu, notre attitude vers la fin des choses de Dieu, l'homme de Dieu, la maison de Dieu, la famille de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Dénimane, Pata Miséricorde, Seigneur. Ouf, la fidèle de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce miracle soit relâché, 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 relâche, 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 relâche à partir de Dieu. Pas ta miséricorde, Seigneur Jésus. Pas ta miséricorde, Seigneur Jésus. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié, Seigneur. Ta parole est déjà sortie, ta parole est déjà sortie. Tout ce qui a les oreilles, elle l'a accepté, elle l'a accepté. Ils sont déjà confessés, ils sont déjà parlé, ils sont déjà parlé. Seigneur Jésus, réarrange la vie de tes enfants. Que tous les miracles bloqués depuis des années soient relâchés. Avant que cette année finisse, que tu éclaires sous cet hôtel, Seigneur Jésus, hôtel de la vérité, hôtel de Jésus. Que tous tes enfants reçoivent les miracles, reçoivent les miracles, reçoivent les miracles, reçoivent les miracles, reçoivent les miracles. Seigneur Jésus, charge la vie de tes enfants, charge la vie de tes enfants, charge la vie de tes enfants à partir d'aujourd'hui. Que tes enfants reviennent, reviennent, reviennent. Les enfants qui priaient, qui priaient, qui priaient, qui priaient, qui priaient, qui sont intelligents, qui sont sages, 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 qui sont intelligents. Fais-les revenir sages, fais-nous les revenir sages et intelligents, sages et intelligents. Lord, help us, let us become the children that are wise. Praying, praying and watching. The children that watch, that are watchful, that are intelligent, that are vigilant, that are intelligent, watching, that are watching. Don't be straight asleep. That sleep too much, Lord Jesus. Help us, Lord. 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 Say Edno. Say Edno. Say Edno. Say Edno. Say Edno. A partir de jeudi. A partir de maintenant. A partir de maintenant. Réarrange notre vie. Réarrange notre vie. Relâche notre miracle. Que notre vie revienne témoignage. Que notre vie revienne témoignage. La vie de tes enfants revienne témoignage. Témoignage. Témoignage contre le roi de ténèbres. Témoignage contre la bête. Témoignage contre la divinité. Témoignage contre le faux ami. Faux frère. Faux frère. Faux frère. Faux parent. Tout. N'importe où que ce soit. Que toi tu vis au vrai témoignage.
que la vie des enfants de Dieu nous fait témoignage. Grand témoignage. Grand témoignage. Let me make his life of the true become great testimony. Great testimony. Great testimony. Against every walk of darkness. Against Satan. Against the beast. Against Antichrist. Let our life become testimony. Let the life of the true become testimony. Father, I cry unto you. Father, I weep unto you. I seek you from this dead. Manifest your mind for the life of the true. Let every man that complaining, let him be silenced, Lord Jesus. Let great testimony look at every one of your children. Testimony, Lord Jesus. Testimony that will distress our enemy. Testimony that will close the mouth of our enemies. Testimony that will make our enemy to know that we are serving the living God. That we are to have one prayer and many things are found. We comply. They will serve to everyone. Or serve to the transfer. So you manifest, Lord Jesus. Manifest, Lord Jesus. Manifest, Lord Jesus. Manifest, Lord Jesus. Manifest. Say, manifest. 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 Faith in God's trust, Lord Envy. Change Envy, Jesus Christ. Say, change Envy. Change Jesus Christ. Say, change Envy, Jesus Christ. Two steps and fast, Jesus Christ. Realize that villages are fast, Jesus Christ. Realize Envy, say, realize the business, Jesus Christ. Toute moquerie, toute moquerie, toute larme, toute larme, toute souffrance, je déclare que la main de Dieu élimine tout à partir de cette prière de Jésus-Christ. Seigneur, localise tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. La Bible m'a fait comprendre qu'il n'y a rien d'impossible avec toi. Il n'y a rien d'impossible. Dans toute notre erreur, toute notre faute, que Seigneur Jésus-Christ, vous avez oublié tout. Oubliez tout, efface tout, Seigneur Jésus-Christ. Tout notre faute, tout notre erreur, toute notre attitude, je demande ta miséricorde. Aie pitié, Seigneur. 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 Aie pitié. Aie pitié. Have mercy. Have mercy. Don't look at our error. Don't look at our error. We are weak. We are weak and vessel. We are weak and vessel. The Bible makes it clear. We are weak and vessel. Papa, have mercy. Papa, have mercy. Papa, have mercy. Jesus, have mercy. Jesus, have mercy. Jesus, have mercy. Jesus, have mercy. Say, empty. Say, empty. Say, empty. Empty, say, this place. Empty. Mercy, say, this place. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom du Saint, de ce que nous avons prié. Bien-aimé, commence à annuler toute bataille contre quelqu'un parmi nous. Bataille sont élevées contre toi dans le rêve. Et levez la voix et annule. Que Dieu rende dans cette bataille et dans la victoire. N'importe quoi que tu as perdu dans le rêve, ne comprends pas. Pray. Every battle. That battle will never come to pass against them. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For the Spirit of Jesus, say the Swiss trap of the Lord. Merci Dieu, merci Seigneur, merci notre Père, que ton nom règne. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I reinstate you. I reinstate you into your position. It is reclassé. It is made not a position. N'importe quelle position que l'ennemi a volée, on t'a poussé. On t'a poussé et prend ta position dans le rêve. Je déclare par exemple aujourd'hui, par la puissance de la parole de Dieu, après aujourd'hui, et rends dans ta position au nom de Jésus-Christ. Rends dans ta position au nom de Jésus-Christ. La position que Dieu t'a amené dans le monde là, que tu dois occuper, l'ennemi t'a poussé, ils ont volé, ils ont pris cette position. À partir d'aujourd'hui, je déclare par la parole de Dieu, que tu retournes dans ta position, que le Saint-Esprit te prenne et te mette dans cette position au nom de Jésus-Christ. Que le Lord take you and put you in that position. Et dans position, dans position, l'ennemi a poussé de l'autre fois. For tonight, I decree by the power of the name of Jésus-Christ, and that power that makes him to stand. On the edge, never fall. Let that power locate you and take you to that position. In the name of Jesus Christ. 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 Every battle with beasts. Oh, Jesus. Toute bataille avec la bête.
comme la vie. La bête, Antichrist, qui se lève contre la destinée. Comme le plan de Dieu dans ta vie, des combats à partir de maintenant, que la hache de Dieu, la hache de Dieu, localise cet esprit, cet démon, toi Antichrist, toi la bête qui combat comme la femme de Dieu. C'est Jésus localise la hache de Dieu, coupe-les en pièces de bras. Couplez en pièces séparées. 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 Libère tes enfants, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus. De déclarer toute fatigue spirituelle physique financement n'importe où ils sont lancés les flèches de fatigue sur ta vie. De déclarer cette fatigue, cette flèche de fatigue retournée à l'envoyeur dans le Jésus-Christ. Que cette flèche retourne à l'envoyeur dans le Jésus-Christ. Cette flèche retourne à l'envoyeur dans le Jésus-Christ. Back to Satan. Any arrow of weakness fired against you. Back to Satan in the name of Jesus. Thank you, Jesus. You are the Lord. You worship the Lord Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jehovah. Non, puissant, Jésus n'a pas prié. Thank you. On va arrêter là. On va continuer dans notre vie. On a grâce à Dieu. On a plein de choses à faire. Tout ça, on a de régler beaucoup de choses. Et on a plein de choses aussi qu'on n'a pas touché. Alléluia. Mais dans notre vie, prépare pour la prière. Alléluia. Et dans la vie, prépare pour la prière. That's why we deal with many things. I write many things down and not touch it. And as we are going onwards, I'm seeing many things on the RVG because we cannot continue again. On the RVG, we can be able to pray all those things. And the Lord will take control in the name of Jesus. We say, grab control. Plonger notre vie, plonger ta prière, plonger la route, plonger les enfants, plonger le reste. On a le point là, reste, un jour, deux jours, on partit. Plongez tout dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ. Et l'année là reste des ans. Je déclare que l'ennemi, pour voir qui peut être utilisé comme un sacrifice, c'est pas utilisé lui-même au nom de Jésus-Christ. Pour voir qui veut que Dieu pleure et que Dieu plaît, après que cette année finisse, c'est pourquoi il commence maintenant à pleurer dans le Jésus-Christ. Plongez le reste de cette année dans le sang de Jésus-Christ. Plongez tout, plongez tes enfants. Priez que Dieu les localise. Que toute attitude de l'antichrist et la paix dans les vies que Dieu va. Chasse tout. Récupère mes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Récupère mes frères et sœurs, tous que tu dois sauver, s'il te plaît. Every one of my family, my household, that you do to save them. Recover them from the hand of the beast, from the hand of Antichrist. Recover them and restore them. Thank you, Jesus. Recover your church. Plonger MFN 2 dans le sang de Jésus-Christ.